Bonjour à tous, c'est Zorak, bonsoir, c'est Zorak, bonsoir, c'est Zorak, mode histoire. Et oui, nous allons enfin terminer le mode ascension que pas mal de gens attendaient, hein, étonnamment. C'est vrai que ça fait quelques temps, quelques mois même que j'avais mis en pause. Excusez-moi, je vérifie juste un petit truc sur mon téléphone. Ça faisait quelques mois qu'on avait mis en pause le mode histoire. Et c'est vrai que pas mal de gens voulaient voir la suite, voulaient voir la fin, tout ça. On s'y met aujourd'hui, c'est décidé. J'ai changé un petit peu le planning. On fera du 2K et du Sautant aujourd'hui. Donc on termine ce mode histoire, comme ça je peux me dire c'est terminado, c'est fini, les gens sont contents, ils ont l'apothéose de l'histoire. On s'en va pour la fin, tout simplement. De ce que je me souviens, on a à peu près pour 2h, 2h30, d'après les informations que m'avaient donné les infos internes. Qu'est-ce que nous étions en train de faire? Bah, tout simplement, si je me souviens bien, le Miz continuait à nous péter les zbouboules, hein, pour changer, et avait nommé Logan Paul le nouveau champion, mes boules de coco. Donc, on va voir comment ça se passe. Si on tabasse Logan Paul et si on récupère notre titre incroyable et qu'on redevient le champion invétéré de SmackDown. En tout cas, j'espère que ça vous aura. Ça vous plaira tout simplement et que vous êtes chaud et que vous êtes content. Désolé encore une fois. Je vais essayer, je lève la main à moins laisser certaines aventures en pause. Que c'est vrai que vu que je fais du multigaming, des fois il y a certaines aventures, on les commence vite et après on les met en pause pendant des mois, il n'y a plus rien. Je m'engage à ce qu'au moins deux aventures mises en pause à chaque fois soient remises au goût du jour chaque semaine avec au moins un épisode et qu'il n'y ait pas plus de deux semaines entre chaque épisode de chaque grande série. Je m'y engage, comme ça au moins on avancera un minimum au fur et à mesure et à chaque fois. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous pardonnerez ces petits égards sur pas mal de séries. Attendez, je remets mes lunettes parce que là je ne vois plus rien, là, je suis aveugle, j'ai l'impression d'être Jeremy Montagnier dans un club échangiste. Salut à Mathis, salut Sacha, salut Rome, salut Aurélien, comment vous allez tous? Merci pour le follow. On est parti. Alors est-ce que du coup les tenues et tout ont changé par mon perso? Ah, j'ai pas l'impression, ah quoique peut-être. On reprend le War Horse. Salut Skip Freeze, salut Kakakadu, salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir les mecs. 1078 jours, putain j'avais oublié. Oh putain, on est chaud. Est-ce que du coup mes tenues et mes musiques seront bien à jour? Ah, le Miz, tu veux quoi du coup? I am absolutely done with that overrated blubbering British buffoon Regal. He thinks Raw is better than SmackDown? Ah oui, il y avait un bisbee avec Regal, ouais. The blue brand will reign supreme, especially with you as our team captain. Oh, c'est vrai qu'on doit faire un War Games. Did you just name me SmackDown's team captain? Yeah, why wouldn't I? You're a champion. You've had the title on lockdown. J'ai rien dit, je crois qu'on a déjà tabassé Logan Paul. Despite everything you've done to try to take it from me. Je crois qu'on a déjà pété Logan Paul, les gars. I assumed you were going to pick anyone but me. C'est incroyable. Where is this coming from? You sound like Regal. I've been team Dark Horse since the beginning. Ouais. I am shocked. Les pipos, hein. I feel that way. Whatever, Miz. Who else do you have to round out our side? I got your old beef. Excusez-moi. Balor on. Ah, j'ai fifine. And even better, I'm going to let you choose your other two teammates. See? Told you I'm on your side. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le son c'est pas trop fort, les gars, hein, comme d'habitude. Hein. So Finn. Et si l'image c'est bon. Two other partners of my choice. Oh, Miz, tu viens? I can come up with. Great. Savez comment on peut débloquer rapidement tous les personnages STP? Alors si tu parles de 2K 24, salut Mathéo, comment tu vas? Si tu parles de 24 pardon, pour débloquer tous les persos, tu vas dans la boutique. Normalement t'as une boutique en fait où tu peux utiliser les points que tu gagnes normalement. Et en fait tu peux faire un débloque all. Ça va débloquer tous les persos. S'il y en a d'autres qui ont des points d'interrogation et qui sont pas débloquables, souvent je te dirais sur les personnages comme Cody Rhodes, John Cena, Hulk Hogan, à ces niveaux-là de personnages évidemment. En fait, ce sont des personnages que tu dois débloquer en jouant au fameux mode un peu à l'affût de FIFA. Voilà, donc c'est tout un truc. Bonsoir, il vaut le coup le mode cas. Bah, en vrai, le mode cas, ça fait longtemps que je l'avais mis en pause, comme je l'ai expliqué, parce que j'avais pas mal d'autres let's play à côté. Ça doit faire un mois qu'on n'avait pas avancé. Mais de ce que je me souviens, il était vraiment cool, il était vraiment bien et vraiment sympa. Après, ça dépend. Est-ce que tu préfères un mode histoire où t'as vraiment un côté histoire et t'as un côté dirigé, comme par exemple ce qui est 23, 24, etc., et comme depuis pas mal? Ou alors tu préfères les anciens modes coop, les anciens modes carrière, comme sur le 17, 18, 19, où c'est vraiment limite un mode univers solo où t'enchaînes les combats, t'as des rivalités, etc. Et t'essayes de choper les titres. En fait, ça dépend de ce que tu préfères. Si tu préfères un truc dirigé, ils sont bien. Si tu préfères un truc un peu univers où vraiment c'est ton style qui prime, vraiment premier degré, ça serait plus sur les anciens, je te dirais. Pour le coup.
Alors qu'est-ce qui se passe? Le Wargames ça a rendu fou, j'ai dû refaire 3 fois. Ah bah tu me donnes envie toi. Par contre intéressant, j'ai jamais fait de Wargames de ma vie sur 2K24. Parce que vous savez qu'avec Zone on n'est pas trop fan de la stipulation. Dans le sens où il faut attendre 15 minutes avant de pouvoir commencer vraiment le match. Là ça va être intéressant de le faire enfin quoi. Merci beaucoup pour la réponse, mais pas de soucis futur militaire. Et d'ailleurs très bon choix de carrière hein. Tu mérites nos applaudissements et nos remerciements. Dans l'histoire je suis au moment où le Miss casse les... Quand je suis parti à NXT, il m'a fait revenir et donc j'ai perdu le titre. Ah oui, 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 ça c'est au tout début, ouais. Les anciens modes histoire étaient bien mieux. Ça dépend en fait, c'est encore une fois comme je te dis, si tu préfères un mode histoire où t'es vraiment guidé, t'as vraiment une histoire vraiment approfondie dans lesquelles tu peux avoir des rebondissements, des machins, les nouveaux sont mieux. Si tu préfères un truc un peu plus chill, mode univers avec des entre guillemets, la seule histoire que t'as, bah c'est le retirement, peut-être un truc avec Undertaker, etc. C'est plus ça. Ou alors tu préfères les Road to WrestleMania qui étaient vraiment les modes histoire de chaque personnage qui étaient vraiment très très cool pour le coup, les Road to WrestleMania, etc. En fait, ça dépend ce que t'aimes comme style de jeu et comme style d'aventure. Bon, allez, c'est parti. Eh hey, champion, il paraît que tu vas être le capitaine de du navire Team SmackDown. Je voulais juste te dire que j'ai hâte d'entrer dans la cage pour montrer à la Team Raw qui mène la danse. C'est vrai, alors il ne me reste plus qu'à trouver des renforts. Je pensais que ce serait marrant qu'on s'en occupe nous deux, mais si tu le dis alors. Putain, on choisit qui? Qui on avait choisi dans 2K23? 2K23, on avait choisi les deux alliés de base, je crois, et Miz. Qui on choisit là? Parce que là, on a Finn. Miz, j'aimerais bien le choisir, mais je pense pas, vu que c'est le GM. Je pense pas qu'on peut le choisir. Oh non, pas trop. L'écran de sélection des alliés est désormais disponible dans le hub. Finn Balor fait déjà partie de votre équipe Wargames. Vous devez en recruter 2 autres parmi le roster de SmackDown. On en a parlé au Superstar, en parlant sur les réseaux sociaux. Enchaîner des histoires de recrutement d'alliés pour... qui permettra de débloquer les superstars et les légendes des plus prestigieuses. Ouh. Merci Skyfreeze pour le sub, ça fait extrêmement plaisir, merci à toi, tu es officiellement devenu variant de la chaîne, merci, merci. Salut Toto. Même dans 2K20, 21 était mieux, je trouve celui-là 23 pas vraiment aimé, et 24 pour le moment pas fan, mais je suis qu'au début. Ah. Alors, Grayson Waller, Kevin Owens. Alors où est l'écran de... Ah, allié, qui on peut mettre déjà? Ok. Ah mais le baron il est plus à SmackDown. Ah, j'ai dit je reviendrai pour proposer mon catcher et je suis là. Bah, ça fait plaisir, merci à toi. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Kevin Owens déjà, parce que j'aime Kevin Owens. Kevin Owens, un de mes catchers préférés. Oui, j'ai besoin de toi. Ok, I'll cut to the chase too. Ah, ça, je lui ai mis 3-0. Elle avait oublié. What makes you think you're worthy of being part of Team SmackDown? Bon, on se la pète un peu là quand même. Détends-nous, nous, le cibar là. Wow. I've been in 2 war games matches, which is 2 more than your 0. Pas faux. Finn, he's never been in one either. You need my experience. In fact, you guys should be begging me. Après, Kevin, j'ai pas envie de méchant, mais t'as fait 2 war games de défaite, hein. I don't know about all that. And even if I did want you on our team, I don't think there's any way I could trust you. J'ai fait confiance à Dominique et j'ai fait quand même confiance à Finn Balor, hein, à la base. Hein. You don't need to trust me. I'll be your hired gun. You tell me who to take out, and I'll get the job done. Oh. I'll think about it. No, I meant that literally. Tell me who to take out, and I'll go do it. I shouldn't have to, but if it proves you need me for war games, then I will. Okay, bah d'accord. Okay, fine. But I want you to do this in an actual match, not attacking someone from behind, like you usually do. Oh, ça parle mal. Il est en mode, ah ouais, non. Whatever. Just name an opponent. Tu vas tabasser Drew Gulak. Let's see what you can do against Drew Gulak. Then we'll talk. Pour ça qu'il s'est fait virer. Easy. Confirmer le scénario, oui. Est-ce que du coup on va voir un match? C'est comment que ça va se faire? Ah, si on voit le match, ça va être chiant. Hein. J'ai pas envie de voir un match Drew Gulak Kevin Owens. Ça m'intéresse pas. Ah, c'est vraiment ce qui va se passer, d'accord, je vais me faire foutre. Super, ou alors c'est moi qui joue Kevin Owens? Ah, j'aurais pris un autre adversaire que le Drew alors. Ah ouais, c'est moi qui joue Kevin Owens! Oh, incroyable! Comment ça, essayer de battre? Je vais le défoncer! Essaye de battre Drew Gulak, ça va être compliqué, hein, il est tellement chaud. Je vais le défoncer. Oh, si j'avais su, j'aurais pris Damien Priest quand même, hein, ça aurait été un peu plus stylé. Ou Omos. Oh, right to the kidneys. Golly, saw that one coming.
Allez. Allez, Drou-Drou. Oh, le dive. Ah, raté. Le coup de cul. Ça fait trop bizarre de rejouer avec des... Non, j'allais dire avec des vrais catchers, mais non, parce que je fais le 1 en change, mais ça fait plaisir. Connard. Connard. Hop, tu liège. Par contre, tu vas pas me casser les yeux coups longtemps, toi. 1, 2, 3. That is just insulting. Left by the turnbuckles. Ok, j'ai peut-être perdu un peu de skill depuis quelques jours. Si on galère, hein, la vache. Non. Oh là, t'es con, toi. Hein. Allez, on va arrêter de rigoler. Voilà. Petit inverted stunner dans ta sœur. Running DT. Allez. Ouh. Alors on va pas faire la rage parce qu'il y a aucun intérêt là. Est-ce que ton logiciel pour mettre les anciens thèmes de catcher? Je ne préfère pas le donner. C'est juste que je sais pas le nom en fait. Je sais plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai installé. Allez hop, réveille-toi. Allez, pop, pop, power bomb. Et... Stunner. Oh, ça dégage. Voilà. Bon, au moins, c'était rapide. Y'a pas de résilience, y'a pas de machin. Tranquille. Voilà. Allez, on va pouvoir continuer. Parce que je veux trop mettre l'ancienne... L'ancienne tête de Tsepug. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon alors du coup, comment que ça se passe? Ok, on a le choix avec qui d'autre maintenant? J'ai pas envie d'avoir Grayson Waller dans ma team, c'est Sacha. Et est-ce qu'on prend Grayson Waller, chat? Parce que là on peut avoir quoi? Là on peut avoir Kevin Owens. Là on a Kevin Owens, Finn Balor, moi. On met pas Logan. Ah, Logan Paul s'est débloqué, c'est-à-dire que je peux bientôt l'avoir. C'est mort. 91, ça serait qui? 91 serait Triple H. Je sais plus qui a 91. 78, ça doit être la trousse. Bah non, la trousse, c'est Raw. Hein. Je vais pas accepter Grayson Waller. On va voir ce que ça va me donner d'autre. Ah, mais non, on m'a dit, il y en avait sur les réseaux sociaux aussi. Les réseaux os et les réseaux so. Oh. Bon, ça se passe bien. C'est Orton 91, ok, merci Vatos. Attends, mise. Vas-y, dis-moi la suggestion, c'est qui? Oh, Logan Paul, non. Comment t'as fait pour avoir les tag teams, c'est-à-dire? J'ai pris KO, Randy Orton et Logan Paul. Non. Match tag à 6. Merci Monsieur TV pour le follow Twitch. J'espère te voir sur tous les différents lives de la chaîne. Ça veut dire en plaisir, mais c'est à toi. Kevin, théorie, régal. En vrai, je pense qu'on va partir sur LA Knight. Yeah! Allez, j'ai 5 minutes à perdre. Let's go. J'imagine que c'est genre je vais voir un combat avec lui, donc je vais taper avec LA Knight. Est-ce que je vais taper avec LA Knight? Yeah! The United States Champion. Ou Divided. Ou Difted. Voilà. Ah, je crois que c'est ça. Hein. Faudrait que je change sa musique d'ailleurs pour mettre la nouvelle. Ah, c'est contre moi, faut que je tienne 5 minutes contre lui. Lol. Ah non, faut que je le batte en moins de 5 minutes. Ah oui, là je suis un peu moins confiant là tout de suite. Chat, je me chie dessus. Non mais jamais je le bats en moins de 5 minutes.
Carefully measuring the well-placed elbow right on the mark. Ah, what a smash! That is just insulting. Va falloir se bouger hein, parce que là 5 minutes c'est pas tant que ça hein. Mais everybody saying voilà. With everybody saying rien pardon. Mec c'est plus parler. Petit neckbreaker. Salut, c'est moi qui viens de follow, j'ai vu un jeu de catch, j'ai follow direct. Merci, ça fait plaisir, t'es Buffard. C'est toi qui viens de follow sur Twitch, n'hésite pas à rester sur Twitch aussi, hein, meilleure qualité, grand écran, tout ça. Hein. Et ça me soutient plus. Mais ça fait plaisir, merci à toi de toute façon. Hop, ça dégage. Us, dans la beuge. Attention, lève-toi, j'ai pas le temps. Oh, bah non. Y'a pas de dive. Voilà. Allez, lève-toi. C'est quoi la catégorie de ton perso? Heavyweight, je crois. Spymaster! Voilà. Allez, lève-toi. Assis. Switch and music! J'y suis, j'ai été ouvert. Oh, incroyable. Merci, ça fait plaisir. Allez! 1, 2! Allez! Oh le coup de genou! Oh Hulk Hogan Milak! Leg drop! Ah bah non, raté! Fais chier! Coup de patiné, tout cas 24, tout cas déjà fait! Non, je l'ai pas platiné, je suis pas sûr de vouloir le faire! C'est pas des trucs qui m'intéressent tant que ça, platiné! Autant faire toutes les histoires, oui, autant faire les machins et tout! Platiné! Ah c'est sympa, hein, mais. C'est pas le truc le plus bandant, quoi! Surtout que j'ai énormément de jeux que je fais, donc si je devais m'amuser à tous les platiner, j'aurais jamais terminé, hein! Eh merde. Allez hop, ça dégage. Ouh. Oh. La deuxième. Elec drop tard, Hulk Hogan. Ouh. Et une deuxième. Ouh. Oh, il a utilisé sa révolte, enculé. Il a utilisé la mâchoire d'acier. Et Pellegrini. Oh non. Oh, il va contre mon Pellegrini. Spymaster. Allez, c'est fini. Oh le coup de genou. Ah non, j'ai raté. Oh non, c'est l'ancien move pool. Oh la baise. Ah c'est l'ancien move pool. Non. Ah j'ai fait niquer. Ah je pense que mon perso il est pas à jour. Oh non, je vais avoir l'ancienne tenue, je vais pas avoir la bonne musique. Oh l'enfer. Oh chat, je crois qu'on va avoir l'ancienne version de mon perso moche là. L'ancienne version pas ouf. Ah bah ouais là les Knight tu trolls hein. Par contre je pense pas que j'aurai le temps de le ken en une minute là. Attends quoique. Je crois que j'ai le comeback. J'ai peut-être le comeback. Attendez, y a peut-être un monde. Ah j'ai le comeback. Oh. Lève-toi. Allez lève-toi les Knight. Ça y est, GamerSense? Allez, y'a le temps, chat, y'a le temps. Allez! German! Close line! Oh! Et le temps est! 1, 2, 3! Oh là, il restait 10 secondes. C'est pas la bonne musique, je suis pas à jour, nique sa mère. Oh, j'ai mon ancien perso, fait chier. Oh, ça casse les. Par contre, c'est chiant. C'est à dire que là, je vais avoir mon ancienne tenue. Mon ancienne musique, mon ancien move pool, il y a tout d'ancien. Il y a plus, les trucs sont plus à jour depuis 1000 ans. Ah, c'est horrible. Fait chier. Bon, c'est pas grave. On va pas gueuler. Bon, on propose quoi là?
Ah non, Grayson Waller, je m'en fous. Allié, évidemment, on veut LA Knight. C'est ça, moi, ça fait longtemps. Salut, Messil, comment tu vas? Eh ben voilà, on a la team. On a la MIFA. Alors, on peut s'acheter quoi comme Amelio, tiens? Je crois que j'ai 40 points. Oh. Bon, faut augmenter la frappe. Et l'aérien en courant. Pas sûr que ça me serve à quelque chose, mais... on sait jamais. Allez, j'ai ma team Troy, casse pas les couilles. Putain, le Wargames. Attendez, Wargames, c'est où à peu près dans l'histoire par rapport à Mania? Parce que j'imagine qu'on doit terminer l'aventure à Mania. Ça va, dit t'as kiffé Bad Blood. J'ai trouvé ça sympa, ouais. Pas kiffé au plus haut point. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, des bons trucs. Il y avait d'autres un peu moins. C'est vers la fin. Donc, parce que Wargames, on a Survivor Series. Parce que je pense qu'on fera pas tous les pay-per-view. Je pense que le jeu nous code pas pour mettre tous les pay-per-view. Donc Wargames, que techniquement Wargames, c'est ce mois-ci. Enfin, c'est moi qui arrive là. Donc novembre. Non, on est en octobre. Octobre, novembre. Ouais, il doit rester moins de 6 mois, quoi. T'es plus très loin de la fin. Ok. Non. I'm here on behalf of Miz to make sure you're staying on. Ah, c'est bon, je les ai, hein. To recruit two teammates for SmackDown Survivor Series War Games team. So have you done that yet? Ah oui. Actually, I have. Par contre, l'enfer si je rate le War Games, parce qu'on vous rappelle les règles du War Games, tout le monde arrive dans le ring et au bout de 15 minutes de chrono, là c'est le premier à faire le tomber qui gagne. C'est-à-dire que si je rate le War Games, à chaque fois je perds 15 minutes. Donc ça peut aller très très vite dans la session qui va durer longtemps. Ah, ça va être l'enfer. Ready to lock them in? Ah bah, faut être bon, hein. Si on peut le one time, ce serait cool. Can't change your mind. Besides, we really need to start promoting the participants. And Miz has big plans he wants to kick off for the Build to Survivor series. Ok. Bah, let's go, hein, j'accepte. Oui, sans spoil, tu... T'as pas vraiment raté... En fait, perso, j'ai raté à cause des autres qui faisaient elle tomber. Ah ouais, faut faire gaffe. Attends, quand tu parles des autres, tu parles de tes mecs ou des mecs de la team en face? Parce que techniquement, j'imagine que si tes mecs font le tomber, ça te fait gagner aussi. J'imagine qu'il faut pas juste que tu gagnes. Ah, que ce soit toi qui gagne toi, quoi. Bon, t'as compris. Voilà, voilà, voilà. We're cutting away from Cody Rhodes' title. Oh, tabasse des gens. SmackDown superstars have invaded backstage. Salut Alex, comment tu vas? War Games team? Luckily, Luke Gallows is here to back up his partner. Let's get back to ringside as we monitor this developing situation. Cody Rhodes has successfully defended his World Heavyweight Championship, but has no idea what's transpired backstage during this match. Well, he's about to find out now. I think this is the debut of SmackDown's War Games team. Bah, en vrai, les histoires sont pas très longues, mais justement, parce qu'en fait, il y a énormément de trucs en soi. Quand tu regardes, t'as facilement 10 dizaines d'heures à peu près de vraiment histoire pure, quoi. Et pour un jeu comme ça qui se veut pas vraiment pour l'histoire au début, c'est pas mal. Oh non, mon ancienne tenue! Elle me va plus du tout cette tenue! Ah, c'est triste! Salut, c'est chaud quand tu vois. War Games! See them fight. Team Raw's side is at a disadvantage. Smart move if you ask me. And there it is. Ah, il m'a foutu une tarte. Je suis niqué. Oh merde, j'ai tabassé oh là. Ouais, sur la carrière, on le termine enfin. J'ai tabassé Regal, c'était pas le but. Accidental or not. Well, for now, it looks like Team SmackDown is going to retreat. Car notre team, elle a de la gueule, hein. Kevin et les Knight le et Finn. J'avoue, moi, je signe. Hein. Un clan comme ça, là. Ah, terminé, oh, dommage.
La team WWE Hero n'est pas du genre à attaquer par surprise comme des lâches, alors je vais envoyer AJ Styles Organization à SmackDown pour un match de répétition pour les War Games. Ah ouais, donc il y a un match avant, ok. On dirait que tu as reçu mon message, on vous recontactera pour ce défi, ok. Bon, j'imagine que je vais devoir m'en taper un sur le chemin, quoi. Ok, ça me dérange pas. Je crois que je vais venir après, je veux pas être spoil, j'ai pas fini. T'as toujours pas terminé, putain, que moi j'ai pas terminé, je comprends, mais quand même. Le seul reproche que j'ai sur ce mode, c'est qu'à la fin, on nous fait croire qu'il peut y avoir une suite. Ouais, c'est toujours pareil, hein. Salut Meloufé, comment tu vas? Et tu l'appelles le JT, le Judgment Twitch. Ah, il est pas mal. Ah, j'aime bien. Allez, c'est parti, Troy, qu'est-ce que tu me fais? J'ai envie de me battre, là. We did what Miz asked, and honestly, it didn't turn out that great. I never t'as bien, mais tant mieux. William Regal. What do you mean? It was must-see TV. Especially the part when you nailed Regal. Good stuff, pal. Yeah, je vais devenir une star. So what does our genius GM have planned next? And where is he even? I haven't seen him anywhere since I got to the building. Well, with tensions escalating and who knows how Raw would retaliate, Miz thought it was better if he bah, oui. stayed home this week. Y'a pas eu de se taper ça dans la merde, hein. Tu ferais quoi comme histoire pour le mode 2K25 pour le masculin et féminin? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, j'ai pas trop d'idées. Je trouve quand même que souvent ils ont quand même des plutôt bonnes idées, donc je les laisse cogiter. So, he ran away again. Got it. Look, what's more important is Regal is sending AJ Styles here for a War Games preview match. And Miz has so much confidence in his team captain that he wants you to decide who should fight Styles. Moi? Bah, je veux bien. Okay, and you want my decision now? Yes, and Miz also said if you make the wrong call and we lose, then it's completely on you. So choose wisely. Logique. Bah, j'affronterai moi-même. Good. I'll let the boss know. Let's go, hein. Oh non, ça me fait du mal de revoir ma vieille tenue, hein. Alors que ma nouvelle est tellement belle, oh. Avec ma musique personnalisée, oh. C'est dommage que ça mette pas à jour, mais bon après je le comprends, c'est réaliste. Bon, on va pas... On laissera les entrées pour les pay-per-view. Fait comme la règle. Allez, salut. Essayez de battre, mais ça va pas être essayé, hein, ça va être encore une fois, je vais le battre. Hein. Faut que le jeu il arrête de me dire essayer. Je ne vais pas essayer, je vais le faire. Ouh. Oh, 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 d'accord, le jeu, merci. Super coup de pied. Ouh. Eh merde. Esquivé. Attention. Oh là, il m'a contré. Oh, bien joué. Ah bah je sors. Non mais franchement, t'as raison. Faut sortir un peu, faut prendre l'air. Ça vous est pour vous aussi les enfants, prenez l'air de temps en temps. Il faut sortir des fois, d'avoir... Ça marche. En fait, c'est une métaphore qu'il est en train de nous faire. Il dit qu'il faut sortir sa zone de confort, quoi. C'est magnifique. Salut Crystal, comment tu vas? Bon allez, AJ, tu te ramènes? Oh! J'aurais dû mettre le suck it en... Comment ça s'appelle? En taunt? Ça aurait été surpris, sympa. Oh! Et le... Non, je déconne, je dive pas. Oh le bâtard! Dommage. Faut être meilleur, hein! Extending their opponent's arm. Ouh, leg drop sur le bras. Leg drop arm breaker. Styles a step ahead. Wow, what an arm drag. Ah c'est bon, je commence à reprendre les touches les gars, je commence à reprendre le skill. On commence à se remettre très bien. Spinebuster. Allez. Et oh non, mais même en IA, je peux pas mettre mon pedigree. Putain, mais ça commence à me les briser sévère là. Contre Zone, je peux pas le mettre. Contre Lia, je peux pas le mettre. Quand est-ce que je pourrais le mettre un jour?
about to soon. Eh merde. Contré. Ah, j'ai le timing hein. Lui aussi il a le timing je crois. Sauf que là aussi je l'ai. Dommage bro. J'ai trop joué au jeu. Et le genou. Ah bah non. Il a le timing aussi. Il a tous les timings. Trop fort. Pas maintenant. C'est maintenant. Rentez. Merde. Merde. J'ai pas été assez rapide. Tiens. Merde. Faut que je fasse gaffe, il y a quand même un finish qui se prépare. Oh quoi? Ah ouais! Ah ouais! Ah j'ai flippé ma race. J'étais pas prêt. Allez, German Clothesline! Oh! C'est fini. Switching music! 1, 2, 3, 4, 5, boum! AJ is out, that's it! Vite, allez! Allez, mets le bras, mets le bras! Il veut pas mettre le bras, c'est pas grave, t'as failli te faire avoir, de ouf! Fais me niquer! 1, 2, 3! Il avait la révolte, il a pas utilisé, let's go! Let's go! Quelle dinguerie. Oh non. Ah, ne serait-ce qu'entendre quelques dong-dong là, ça me... Pouf. J'ai été... On vient de me faire le truc là. Ah, qu'est-ce que tu veux, Finn? Y'a un problème? We got the win against AJ, but War Games is gonna be a whole lot tougher. Ok. With you and the rest of the crew we have, I like our chances. Same. Although I do wish we weren't fighting on Miz's behalf. Oui, d'accord. I hear you, but it's bigger than that. Merde. J'ai appuyé. Quel con. j'ai vraiment glissé sur ma touche. C'est parti, Wargames? J'ai hâte d'être sur vos series. Vous êtes tous prêts? Prêts pour l'accueil. On va cramer la maison Raw. On peut dire la maison rouge du coup. Il n'en restera que des cendres. Il n'en restera qu'un. Tu peux faire l'alliance avec jeu si possible. J'ai rien compris. Tu peux faire alliance avec jeu si possible. J'ai pas compris mon cher Melofé. J'adore ton enthousiasme mais n'oublie pas que c'est juste un business. Jay, je sais pas. Je pense qu'il doit être à Raw déjà. Ne serait-ce que déjà dans le jeu. Donc je pense pas que tu peux... en tout cas dans cette histoire là. Vu que t'as SmackDown. Les War Raiders. C'est le mode histoire, Marwan. Games. Allez, premier War Games de ma vie. Après pratiquement 200 heures de jeu, j'ai jamais fait un War Games, c'est parti. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une fois que tous les membres sont là, mais je crois que justement quand tu prends le calcul de tout, ça fait 15 minutes. Le prochain vrai Wargames, c'est le mois prochain, je crois. En gros, on est censé avoir deux PvP le mois prochain, le 5 et le 28, je crois. Et donc on en a deux en même mois, en un mois. Pour ça, je préfère aller sur leur série SmackDown vs Raw. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, ils avaient aucun intérêt. T'avais pas de changement de titre pendant le pay-per-view et... En fait, ça sentait le forcer, la rivalité Raw et SmackDown chaque année. Comme en fait, par exemple, le Hell in a Cell, qui était le pay-per-view et qui forçait la stipulation à être utilisée, tu vois. Bah là, c'était pareil. On forçait une rivalité Raw-SmackDown qui, au fur et à mesure des années, en fait, n'avait plus d'intérêt. Et donc, en fait, le dernier bon, c'était avec NXT, tu vois. Mais après. Ah, il est champion US dans le mode histoire, ok.
Salut Kenzo, comment tu vas? Salut, t'as loupé, j'ai loupé quoi? Rien, t'inquiète pas. Merci Kenzo pour le follow Twitch, sérieusement, te revoir sur tous les fonds live de la chaîne, c'est avec son plaisir. Merci à toi. Is anticipating the entry of one man, Cody Rhodes. The WWE Universe has been waiting for these guys to get their hands on each other for years, but the champ better not overlook the rest of Team Raw, especially AJ Styles. For Team Raw, this fight is personal. Hey, let's go. Representing blue with his eyes set on. Oh, bah, ok, la musique est incroyable, mais bon, c'est encore moins ça perso. Si, peut-être qu'un jour les surveillants CS reviendront, mais je pense que ce sera plus réglé dans le. Pour moi, ce sera réglé dans le Wargames maintenant. The captain of Team SmackDown looks intense. You have to think he's looking to get his hands on one man. C'est pas la bonne entrée. Heavyweight champion Cody Rhodes. Universal champ versus heavyweight. Il manque les pyros derrière. WWE Universe has been waiting for these guys to get their hands on each other for years, and I'm right there with them. Oh, on commence le match. Ah ouais. Ça va être chiant. Bon, c'est pas grave. On va voir comment ça se déroule. Salut mec. Attaquer Cody Rhodes au centre du ring en tant que The Dark Horse, ok. Bah faut attendre que Cody Rhodes arrive quoi. Allez. Merde. But can you imagine the chip on the shoulder of Raw Captain and World Heavyweight Champion Cody Rhodes? It was Cody who was on the losing end when the Dark Horse became champion so long ago. Cody can exact some. Ah, c'est à cause de ce défi que j'ai raté trois fois. Bah Cody doit être dans les premiers arrivés, donc juste taper dessus, c'est pas compliqué. Moi, en tant que joueur PS4, quand j'achète les ceintures dans la boutique de points, quand je finis de jouer, bien si je relance le lendemain, bien je dois tout acheter car toutes les ceintures disparaissent, ça me juste bug. Non, moi je t'avoue, je suis sur PC. Et je les achète jamais, je débloque directement tout, comme ça j'ai pas besoin de me faire chier avec le système de points. Surtout que 90% du temps, vu que je fais des concepts et tout, bah j'en ai besoin. Donc je suis pas à te dire. That's how you wear down your opponent. Il y a les derniers qui arrivent, sinon c'est pas peu drôle. Oui, sauf que, en fait, il y a un truc, c'est que normalement, le Wargames peut pas se terminer tant que. Tous les catcheurs sont pas sur le ring. Donc tu t'en fous. On va peut-être quand même sortir les doigts parce que bon là. Oh! Allez, Finn Balor, viens m'aider parce que là je galère. C'est RP, je galère et c'est lui qui rentre en premier. Ouh! Mais vu que Cody arrive quand tout le monde est KO, bah une fois qu'il rentre, il y a les tombées. Ah, ok. Ah, oh, oui, d'accord, il ramène une chaise. Let's go! Attack to the knee, and after that shot to the knee, what could be next? Attends, je l'amène. Mais que putain, mais qui est con? Il est en train de me taper ce trou du cul. Oui, une tape, pardon, excusez-moi. Je sais plus reconnaître une tape et une chaise, moi, c'est grave là. Mais quoi? Non, mais Finn, tu trolls hein. Oh, ça marche pas, pardon. Toujours l'erreur de la chaise ou la table. C'est la même sur les côtés. Oh là là. Touquet 19 était meilleur. Il était très bon, je suis d'accord avec toi, Loris. Faudrait que je le refasse, le Touquet 19. Mais je tape tous ceux que je veux pas. Oh là, mais je suis en train de tabasser Finn Balor, mais on arrive pas à communiquer. Je crois que je l'ai bugué, le AJ Styles là. Eh les gars, j'ai réussi à faire la strat, j'ai bloqué AJ Styles dans... Mais non, mais... J'ai bloqué AJ Styles derrière la table. Oh mais non, c'est moi qui suis bloqué. Non. Je suis bloqué. Non. C'est bon. Oh là, j'ai débugué.
Alors attendez, parce que là il y a un truc qui est en train de me casser les couilles. Il y a TikTok qui est en train de me harceler, de vous demander de l'argent. Ça m'énerve. Parce que bon, les gens ils viennent sur TikTok s'ils ont envie, ils sont pas obligés de me donner du fric. Donc si TikTok pourrait être de faire la pince d'enculé là, pardon, excusez-moi hein, mais ça commence à saouler hein. Bon, j'ai réussi à me sortir de là. Plus, voilà. Oh merde. Ah bah je sors. Non bah je sors, c'est intéressant. Attendez. Oh putain. Ah c'est bon. Salut Luc, ça va? Ouh, coup de genou. Leg drop. Salut, t'as vu le SmackDown banger qu'on a eu? Ouais. Je dirais pas banger, mais sympa. Ah, j'ai pas le temps. Je me fais tabasser les boules. Tiens, bah je me casse. Je vais voir mon copain, Salut. Bien joué Finn. La grappe. Oh l'enchaînement. L'histoire va avancer, bah comme dans toutes les semaines hein. Oh bah d'accord, je sors. Oh Finn Balor s'est envoyé à travers la table. Oh Finn, non. Oh putain. D'ici là, ça, on est content. AJ, tu vas pas me saouler longtemps, moi je te le dis. Allez, Pedigree. Oh, il va peut-être passer. Ouh, Pedigree of the United States Champion. On est en Wargames dans le mode histoire. Essaye de faire passer une échelle entre les rings, c'est fait un beau spot. Ouais, mais y'a pas d'échelle là dans le ring. Et vu que je peux pas sortir, c'est compliqué. C'est pas moi qui choisis. S'ils sortent une échelle, pourquoi pas. Mais là. Ok, d'accord, c'est pas de soucis. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Oh le bâtard. Merci, Finn. Ouais, je comprends, ouais, non, ouais. Mais après, de toute façon, c'est normal, normalement, il y avait plus de temps, je crois. Le SmackDown était à 3h, si je dis pas de la merde. Ok, Carl Anderson qui arrive, il reste plus que deux de chaque côté. Bah, un de chaque côté, pardon. Il s'est pas enfui, il a tout démonté. Allez, je vais accueillir Carl Anderson. Allez, viens, Carl. Pardon. Je me suis fait exploser par qui là? Ah non, encore 2 heures pour SmackDown. Okay. Spinebuster. T'es en train de tabasser mon Kevin Owens? T'es malade toi? Tiens. Oh. Riding Power Slam. Et toi, je vais te mettre mon Pedigree. Ah non, je déconne. Oh, Super Kick. Et je peux lui en mettre un deuxième. Et Pedigree, double finisher sur Carl Anderson. Oh là, il est déjà mort. Ouais, Kevin Orton, je suis d'accord, c'est vraiment très intéressant. J'arrive même pas à voir où je suis sur les persos. Je suis où moi? Ah ok, je suis quatrième. Je vais faire avec les femmes après, je pense pas en vrai. Ça pourrait être cool, mais faudra voir. Oh! Et l'entrée de L.A. Knight! Oui, j'ai vu TikTok Inyo, bien sûr. Comment aurais-je pu rater ça? J'ai vu. Alors, si tu parles de la trahison, j'ai vu ça 2 minutes après Bad Blood. Et après, oui, le SmackDown, évidemment.
mais Luke Gallows, il a pas aimé. Hein. Allez, on attend Cody, chat. Je vais réussir du premier coup ce War Games, moi je vous le dis. Hein. Purée, j'ai pas vu SmackDown, pas dispo en VF. Ouais, ouais, je sais. Moi ce qui me saoule, c'est que d'habitude, moi je le regarde en VO. Mais en ce moment, 2K, ils font, bah, WWE, ils font que shutdown les lecteurs. Donc tant que c'est pas sur Netflix, ça va être compliqué pour moi de regarder en live. En tout cas, en américain, quoi. Bah, en VO, quoi. Bah alors, Cody, tu veux pas revenir? Tu veux pas venir? Ah, attendez, je vérifie juste l'objectif. Et puis... Ok, faut juste que je le touche. Okay. Faudrait mieux de builder Finn de Damien. Ouais, je suis d'accord. Même si pour moi c'est déjà un peu fini, hein, vu que Damien a déjà gagné. Allez, c'est parti. Allez, chat, on y est. Normalement, c'est bon. Ils ont pas besoin de, ils peuvent pas te faire de pin tant que c'est toi qui n'es pas rentré. Quoi? Non, 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 non. Non, fais pas ça, pro. Fais pas ça. J'étais censé pas l'objectif. Casse-toi. Voilà, casse-toi. Allez, Cody, ramène-toi. Cody, ramène-toi. Cody, ramène-toi. Cody, ramène-toi. Avec ta vieille table. Attends, regardez, je me suis pas trompé. J'ai dit table. Allez, allez, Cody. Non, The Lock, c'est sur 23, les gars. Allez. Allez. Allez, Cody, casse pas les couilles. Bon, Cody, tu sors toute ta chambre là où ça se passe. Cody est en train de sortir tout ce qu'il y a de souris, j'en peux plus. Ramène ton boule. Oui, il se ramène son boule, ça. Casse-toi. Car t'es sérieux? C'est Luke. Oh, Luke, tu trolls, je te déteste. Oh non, si ça se termine comme ça, je vais péter un câble. Empêchez de tomber, empêchez de tomber, ils ont fait le finisher. Allez. Faut que je tape Cody. 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 Oh non, on m'a dit que c'était dans le premier ring, qu'il fallait le mettre. Oh là là. Aïe, pas me suivre longtemps, moi je te le dis. Allez. Fins, AJ, casse pas les couilles. Désolé, je peux plus regarder le chat, là je me concentre. Non, ah. Mission de con, c'est vraiment de la demi en marque. Allez, lève-toi, 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 la vie de ta mère, lève-toi. Je pète ta câble. Ouais, Elena, bien joué. Oui. Allez, lève-toi, 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 lève-toi. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant plus qu'à gagner le match. J'espère. Allons, slamé, on slamé. Oh bah j'ai raté. Là est le problème que j'ai, et je pense que beaucoup de gens l'ont, et c'est pour ça que les gens ont un peu du mal avec le nouveau système de mode histoire. C'est que souvent, même quand tu gagnes, tu fais un match de ouf, le scénario, je dis juste tu perds. Alors évidemment, ça écrit une histoire de ouf, mais en fait, quand t'es bon, bah ça te nique. Salut Samantha, comment tu vas? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est dans l'histoire, les gars, c'est dans le RP. Salut Ashura! Bien et toi? Bah tranquille, tranquille. Salut Sasuke! Sasuke Uchiha! Bon, oh le jonc! Combien il va le jonc? 381, ouais, c'est vrai qu'il a fait 380. Ouais, bah j'ai perdu, hein. Salut Jonathan! Bon, tu vas te foutre de ma gueule? What are you doing here? Slow down there, Tiger. Don't get hot. This isn't an invasion. Mec, ton vieux titre là. Then what are you doing at my show?
Do they not have gyms at Raw? I'm here with news. Because I wanted to tell you man to man and not have you... Pas de sauce Roquefort crème, passe bolognaise. Roquefort crème, les gars. Tous les jours. Bolognaise, c'est overcoté. But after I beat you at Survivor Series, Miz and Regal are giving the WWE Universe what it wants. You and me. Tu ressembles à Obi-Wan de la vie, on me l'a dit, ouais. That's actually good news. Ça y est, Kevin Owens, ça fait son heel turn, ouais. Honestly, c'est quel mode d'histoire, Yanis? Miz asked me to come to SmackDown. Quand il faut calmer avec le road to WrestleMania, de WrestleMania 40, il est surcoté, il n'y a que deux rivalités qui a réellement buildé le main event. WWE Universal Champion and the World Heavyweight Champion in a tag team match for the first time de la chance. ever. And it's gonna be awesome. He tell you already? Guy learned at the feet of Teddy Long. So what do you say? We obviously both like gold. You ready to team up? Attends, j'ai pas compris. On va devoir faire équipe là, on va devoir faire un match en tag. T'as un code comme lui, merci. Balavoine Kenobi à la limite, le bâtard. Il me tarde de savoir le reste entre la nouvelle Bloodline et Roman Reigns. Ouais, ça va être cool. Salut Valentin. Non, mais moi j'ai. Non, mais la vie de ma mère, j'ai pas envie de faire un match tag. Je déteste les match tags. Fais-le, tu verras. Je déteste les match tags, les gars. L'IA est totalement baisée. Je suis désolé, hein, mais l'IA, elle est totalement ni. Elle est totalement. Elle est débile. Voilà, faut le dire. Quand t'es en match tag, l'IA, elle est en mode. Quand tu le fais avec un pote, c'est gaulerie. Même si le pote, souvent, il est en mode. Mais. Ah, bon, allez, j'accepte. Hell with it. I'm in. Rien à battre, ah ouais. Go team. Bah, allez. Dark Horse contre le destin. Moi, le mode My Rise bug, je peux plus le lancer. Ça charge en limité. Ah, merde. Mais là, c'est pas. Ah, oui. Non, mais là, c'est pas My Rise. Là, c'est mon ascension. Donc, c'est pas le même, normalement, je crois. Peut-être. Je sais plus. Non, bon, on va le faire, les gars, parce que bon, c'est stylé quand même, ça me fait chier. C'est, j'aime pas. Si Cody est con, ne serait-ce que 10 minutes, je ne tag plus jamais avec lui. Hein. Parce que je ferai une tag pour la forme, parce que je ferai pas un 1v2, mais. Si le reste, c'est le mode, ouais, ouais. Ah oui, My Raz, My Ascension, oui, oui, non, c'est logique, oui. Ah, c'est contre les Viking Raiders. Ah, ouais, ok. Mais ouais, bah écoute, je ne saurais te dire. T'as regardé sur internet voir s'il y a pas des trucs qui ont été postés par rapport à ça. J'ai une dédiée aux Viking Raiders avec Cody Rhodes. Le truc, je viens de dire il y a 3 secondes, j'ai pas envie de jouer Cody Rhodes et là on me dit inflige des gars avec Cody Rhodes. Après, ça veut dire que du coup je joue les deux. Et si je joue les deux, bah c'est bon. Parce que du coup, il n'y a pas d'IA débile. Ouais, oh ouais, désinstalle et réinstalle, hein, le truc classique. Hein. Ce que je te conseille, si tu le désinstalles, va dans tes fichiers. Si t'es sur PC, va dans tes fichiers Steam, tu sais, dans le dossier et supprime carrément tout le dossier du jeu. Pour que ça évite d'avoir. Parce que des fois des bugs peuvent rester dans les fichiers. Ça peut arriver. Ah, je vais pas faire ça. Ça normalement c'est pour finir le match. Bon, ça va alors. Merci les gars de m'avoir dit de faire le match vu qu'on jouait avec Cody. Je veux dire, on joue pas l'autre quoi. Y'a pas d'IA. Ah, si, techniquement y'a une IA quand tu joues, mais vous avez compris quoi. Nouvelle équipe va arriver à SmackDown. Oui! Oui, oui, oui! Les machines. Et les Machine Gun Motors, je crois, ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça leur nom, ou quelque chose comme ça. Très hâte de les voir. Merde. Allez hop. Machine Gun Kelly a tout. Il arrête la musique. Non mais c'est pas ça. Mais c'est un truc du genre. C'est en fait c'est MCMG. Mais je sais plus exactement leur nom. Qui a le match avec un tombé en incarnant Cody Rhodes. Donc vous êtes en train de me dire que je fais un match tag team. Mais en gros les objectifs ils me disent hey, jouer avec Cody Rhodes.
Oh, ne pas s'énerver. Et c'est ça votre surprise, les gars, là ? Ah bah, info chat, je n'écoute plus jamais le chat, j'en ai marre. Le chat, vous m'énervez. Salut Sangoku, comment tu vas ? J'espère que dans la vision féminine, il y aura aussi trahison de Tiffany sur Nei. Ouais, pourquoi pas, hein. Machine City, ouais, voilà. Bah ouais, peut-être, je sais plus. Il y a un truc avec Machine. Great reaction from Ivar. Normalement, ils sont censés me toucher pour pouvoir refaire le tag. Je veux dire, il est censé y avoir une frappe. Principe. J'ai pas le droit de contre, d'accord. C'est ZK. Alors, je ne plane. Alors, justement, j'allais mettre un message par rapport à ça. Je ne vais pas balancer le planning de la semaine qui arrive ce soir dans le Discord. Je vous le mettrai mardi matin ou lundi soir. Parce que vous verrez. Vous verrez, il y a potentiellement un truc qui se trame là-dedans. Je vous en dis pas plus. Ah merde, je vais pas faire ça. Je suis trompé de touche. Commence à me les casser les couilles, les deux vikings. Oh! Et Crossroads! Ben d'accord. Ah c'est un spé ça. Ah ouais. Putain mon pote est pas débile. Mon bot est pas débile. Bon si il est un peu débile mais au calme. Le bot était pas con. Ça va. Par contre du coup j'ai la rage, j'ai un finish. On va mettre la rage. Il est en train de tabasser mon pote, t'étais malade toi. Non, j'avais l'arbitre en lock. Mais casse les couilles l'arbitre de merde. Oh là là. Rigged, c'est Rigged. Oh ta soeur toi. Malade. Casse pas les couilles. Eh oh. Le match devrait pas être aussi haut. Oui bah écoute, excuse hein. Je galère, ok. Ça que vous voulez entendre. Oh non putain. Casse toi. Casse pas les couilles. Voilà, dégage. Allez c'est fini. Match de con là. J'aime pas les match tags. Voilà. Bon, c'est fait. Alors, c'est quoi le truc d'après là? C'est, on perd, ça sert à rien. Est-ce que je lui pète la gueule? Ça sent bien ça. S'il me pète la gueule, je lui pète le cul. Enfin, c'est... Ah, mais du coup, on va direct au Royal Rumble. Hein. Donc, Royal Rumble, Mania, c'est vraiment très très près. Hein. Intéressant. Bah il se passe rien. Champion contre champion après leur victoire de cette folie cette semaine, la semaine dernière, Cody et Zorak Vos vont affronter les champions d'équipe SmackDown, Richard. C'est une blague. Donc moi je vous dis, j'aime pas les match tags. Vous me dites, vas-y, fais le match tag. Comme ça, moi je me tape encore derrière un autre match tag. Je vais plus écouter le chat. Hein. Premier degré, j'écoute plus. Je regarde plus, j'écoute plus. Vous me saoulez. Mec, ils savent exactement ce que j'aime pas et ils me balancent tout ce que j'aime pas. Je vous déteste. J'en ai rien à foutre qu'il soit bien. J'en ai rien à foutre. Ça me saoule. Hey partner, you ready to win some tag team gold? Partner? I'm your partner now? Wait, what have you been out of shape about now? We won our match and now we've got a title opportunity. Which sure is great. I guess I just didn't realize that our team was the dark horse and the show horse. What the hell is that supposed to mean? It means you spent our whole match out there hogging the spotlight instead of working as a team. I did what was necessary to win. That's a problem for you? No, no problem. I just see you, Cody. I see you.
What you need to see is that our next opponents are the SmackDown Tag Team Champions, and they are not going down without a fight. Don't worry, I'm focused. My eyes are most definitely on the prize. Good, then maybe the next time we see each other at an airport, we'll be carrying heavier bags. Ouais, j'aurais acheté des vêtements ou t'aurais acheté de quoi t'essuyer le sang que t'auras dans la gueule. Mais t'inquiète, après ton sac, je vais l'alléger au Royal Rumble, on va rigoler. Oh! Ilya Dragunov! Tu pourrais pas Naya, c'est possible que Tiffany, ouais. Tiffany, Charlotte. En fait, techniquement plein, en fait, ça dépend de quelle stipulation tu mets. Si tu mets un triple threat, par exemple, déjà tout le monde pourrait la battre. En soi, parce que t'as juste tapé une autre. Ensuite, en fait, beaucoup de gens pourraient la battre. Mais dans le sens, voilà. Après, si on parle crédibilité, pas beaucoup, quoi. Ouais. Est-ce que je peux lever cette fois-ci? Je pète un cap, sinon. You feel like the champions are the underdogs, but I think that's the case tonight. You might be right. It is going to be hard. Je ne dis rien. Je dis rien. Voilà. 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 Par le fait que message au chat, je vous hais. Voilà. C'est officiel. Je t'aurais dû tabasser la gueule, mais ça, c'est autre chose. Ralcul. Que de la merde. Moi j'étais en mode, eh non, on va pas le faire. Là, là. Eh si, fais-le, t'as maison, il y a rien, t'as tout tapé. Sympa de merde, ouais. Que de la couille, que de la bite. N'est nul. Il a chier. Match tag team avec Cody Rhodes où je peux pas jouer. Oh là là, ça me donne envie tout ça. Oh là là, oh, c'est bien. Vous étonnez pas si un jour il y a plus de vidéo 2K les gars, hein. S'il y a plus de live 2K, vous étonnez pas, hein. Je vous le dis, hein. Je vous dis ça comme ça, mais je vous le dis, hein. Si un jour on se met à faire tout sauf du catch, faudra pas s'étonner derrière, hein. Ça sera la faute du chat, hein. Allez, bouge, dégage. Salut Axel, comment tu vas? C'est vrai que ça faisait longtemps. Non, oh putain, Cody te fait chier. 2, 3, 4. Allez. Gagner contre les Brawling Brutes avec un tombé ou une soumission avec Dark Horse. Oui. Je suis en train de défoncer Butch par contre. Je suis en train de me faire défoncer par contre. Allez hop, dans le coin. T'as les jardouges là. Oh, Spybuster. Non, je déconne. Power Slam. D'ailleurs, petite information pour ceux que ça intéresse dans le chat, je vais me mettre à tenter un speedrun de jeu. Voilà, il y a un jeu, je m'étais amusé hier soir, ou alors, non, avant-hier soir, pardon, avec des potes sur le Discord à aller sur speedrun.com. Et j'ai vu des speedruns d'un jeu qui m'intéresserait pas mal. Et en vrai, j'ai bien envie de m'y mettre, donc possible que des petites séances speedrun arrivent comme ça sur la chaîne. De temps à autre, quand l'envie me prendra. Je vous laisse à votre imagination de quel jeu je pourrais speedrun, mais ça va être compliqué de trouver. Moi je vous le dis, Spybuster. Allez hop. Allez hop, Pedigree terminé en 2-3, allez. Non, tac pas. Face first.
Allez, hop. Allez, la soumission. Abandonne. Abandonne tout espoir de victoire. Toi qui entres ici. Oh, il me casse les couilles. Oh. Salut, arracheur de bottes. Comment tu vas? Je te demande si c'est possible d'avoir la nouvelle musique de l'OTC sur le jeu. Alors, oui, mais il faut installer un logiciel. Et les grands. Voilà. Lève-toi. Je me décale et voilà. Super kick. Et tiens les jambes, troisième fois. Allez, bonjour à moi. C'est bon. Champion are on a collision course for the Royal Rumble. But now they are SmackDown Tag Team Champions together. That's going to be a lot of hardware for them to carry around. More importantly, this is an alliance that could explode at any moment. Miz is a genius. The WWE Universe definitely is the new tag champs. Le dernier. It's not too often you see this kind of star power in the ring at the same time, let alone on the same team. Do it. Hit him. You know you want to. Who are you talking to, Corey? Both of them. I can't stand either one of these guys. These men are now the SmackDown Tag Team Champions, and they're on shaky ground at best. How are they going to coexist until the Royal Rumble? I hope they don't. Allez, let's go. Ah non, pas plus, d'accord. Dommage. J'aimais la musique. Les plus grands champions de WWE devraient s'affronter au Royal Rumble, mais là ils font équipe ensemble pour SmackDown. Cody Rhodes et Zorak Vos pourront-ils coopérer? Non, j'ai déjà vu ça avant. Mark for Life, ça serait qui? A voir. Bon allez Cody, tu veux quoi? Champ, how you feeling? Much to my surprise, I'm feeling great. I thought Miz was out of his mind teaming us up, but it's worked out pretty damn good. Cheers to that. Another lucky break. Ouais, c'est bonne carrière. Another lucky break. Even when you dole out compliments, you manage to make them patronizing. The word lucky triggers you? I've just been hearing it for a long time. Because you got lucky beating me for the WWE Universal title. All right. Gloves off, here we go. What would you call it? I had you beat when Roman came in. It's been more than 2 years, Cody. You, Reigns, Miz, all of you keep talking fluke. Quand tu es pour faire un mode carrière, bah tu vas dans le mode mon ascension, littéralement. You haven't beaten me. Not until the Rumble, partner. We'll see. For now, we have one more title defense before then. See if you can keep your ego in check long enough that we can win the damn match. Putain, il y a un troisième hashtag. It's the journey, man. The following contest is a tag team match scheduled for. Look at all that gold at ringside. The Dark Horse and the American Nightmare. J'ai des gars, un membre de la Facademy. Allez. Not so fast, Saxton. I've heard rumors that the champions have had backstage issues. And typically, those types of things spill over. T'as raison, Kakagalu. Dis-lui que son idée d'équipe, il paraît sa mettre là où je pense. Ça te fait gagner du temps. Par contre, Shaq Gable, je t'aime bien, hein, mais. Voilà! J'ai raté ma leg drop, pardon. Placed into the corner.
Merde. Solid teamwork, but let's not forget the champs have solid teamwork of their own too. Shoulder. Allez, c'est contré, hein. Double super kick. Allez, lève-toi. Oh. Dommage. Et celui-là il passera, voilà. Oh, leg drop. Putain, mais y'a rien qui passe, hein, bordel, hein. Look at this, going right after the left arm. Gotta hurt. Maximizing the pressure on the arm. Could limit the champion's offense. They finish each other's sentences, they finish each other's moves. That's tag team excellence right there, gentlemen. C'est PRP, ils sont même plus en équipe. Ah, c'est terminé. Fait de rentrer Cody Rhodes, ah, bah, super. Ah, look at this. Talk about dismantling your opponent. Dave vient de me stun Cody Rhodes. Non mais ça va frérot, c'est pas Shad Gable, c'est Undertaker là, mania bordel, j'en peux plus, c'est quoi ce tia de bâtard. L.I.L. me donne jamais ça d'habitude quand je suis en non-challenge alors que je suis dans le niveau de difficulté le plus dur. Ça peut me faire chier lui, voilà. Allez, on lance le Cody national. Hein. La vie de ma mère, je perds pas. La vie de ma mère, je suis une grosse... Je suis une S-word si je gagne pas. Quoi? Est-ce que c'est connerie? J'avais esquivé. Wow, wow, le jeu là. Wow. Hey, Spinebuster. Switching music. Ouais, une saucisse, je suis une saucisse, voilà, t'as tout compris. C'est vrai que si on dit le mot saucisse, on se fait ban, mec, trop compliqué. C'est trop un mot vulgaire, saucisse. Oh, allez. Et la grappe. Allez. J'ai l'impression d'être John Cena, je me fais péter tout le match et je reviens à la fin, quoi. L'enfer. Ouh, raté. Bon, je vais lui péter les fesses, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, casse-toi l'arbitre, super kick. Oh, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh bah non, mais Shad Gable, d'habitude tu te fais avoir, c'est quoi cette connerie? 1, 2, 3, 4, et... Backstabber! Et... Oh non, il a contre mon pedigree! Non!
corner. Oh, and that buys some time. Non, c'est dégueulasse. Je t'en prie, technique. Oh, la couille. Otis perched up top. Up high. Oh, straight to the floor. Chez. God, just a disgusting thud. Hey, je rentre dans le ring. Un. Deux. Tout, tout, tout. With the WWE Universe right now. 3. Ah, c'est bon, ok. Bon, attends. Voilà. Allez, ramène-toi, Otis. Ramène-toi, t'es mort. Ramène-toi, tu es mouru. C'est fini. German Clothesline. Allez, on dégage. With their opponent all tied up in the ropes, this superstar is just teeing off. And a backstabber. Can Gable withstand much more? Tiens, ton power slam à la marque Henry. Walk Songer Slam, boum, Pellegrini a enchaîné. Chouette. Personne ne me vint. Comment ça se passe du coup? Je garde le titre et Cody Rhodes il le perd. Parce que moi je le donne à quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, aïe. Après c'est vrai qu'il a pas tort ce qui est fait, parce que là j'ai encore plus envie de défoncer Cody Rhodes du coup. Déjà ça me fait chier. Et en plus j'ai envie de terminer l'histoire. Et en plus il m'a cassé les couilles. Parce que là c'est 3 matchs pour rien. Je fais partie de plusieurs équipes, mais jamais avec quelqu'un d'aussi jaloux et narcissique que avec Vos. La seule chose qui m'a fait tenir, c'est la perspective de le battre pour le titre universel à Royal Rumble. J'aurais dû le voir venir, t'as le chic pour te défiler quand la situation se complique, voilà. Évidemment. Bon, Troy, on va au Rumble, là. Where the hell is Miz? Miz is at a very important media promotional event? Évidemment. Dieu qui est chez lui, hein. Ça ira plus vite. Hein. He hightailed it as soon as Cody jumped off that apron, didn't he? Have you checked your social media? People love the drama between you and Cody. Besides, you guys can fix things up before your next match. Oh no. There's not going to be a next match because I have had enough of that sanctimonious entitled SOB. Our run as a team, it is over. So you can have your tag team championship back. Because I... Miz is not going to be happy about M'en fous. This. I don't care. When I beat Cody Rhodes for the heavyweight title at the Royal Rumble, I'll be able to go to any brand I want, any time I want. Miz's control over my career will be finished once and for all. Oh! Huh. Your boss is really not going to be happy about that. Ah, est-ce que c'est enfin le match? Ça fait des années que l'univers de la WWE attend le match retour entre Zorak Vos et Cody Rhodes. L'or les a définis, les a réunis avant de les éloigner et aujourd'hui il les ramène une fois de plus face à face. Ce soir au Royal Rumble, l'un de ces hommes repartira avec le titre WWE Universal et World Heavyweight Champion en même temps et deviendra une légende. Une légende, plutôt un autre amateur qui essaye de marcher dans mes pas. Si vous cherchez une vraie légende, ce sera sur le plateau de mon prochain blockbuster. Ok. C'est ça, Roman. Ouvre ta bouche, tant que t'es pas sur le ring, t'as rien à dire.
It's the WWE Universal Champion hoping to rumble his way into the World Heavyweight title. There seems to be an extra determination in the champion as he heads to the ring for this one. This man is ready to get the job done. We'd better be focused. Cody Rhodes has been focused on him for a very, very long time. The match 2 years in the making is about to begin. Le premier qui rentre dans le ring, sera le titre le moins important. Donc il considère le titre universel comme moins important que le poids lourd. Bizarre, mais Time Warp. C'est vrai que par rapport à maintenant, c'est un peu vrai. Et tu sais quoi? Eh, ton entrée, rien à foutre. Voilà, Cody, tu peux te la mettre là où je pense ton entrée. Je vais t'effoncer. Allez. In recent history, we have a match stacked with drama. Two champions scurrying off, but only one will leave with all the gold. We've seen the WWE Universal Champion go from dark horse to unbeatable phenomenon. But the one person who he hasn't really defeated is his opponent, Cody Rhodes. The undisputed part of that title has been disputed since Roman Reigns vacated it. Tonight, that debate could be settled once and for all. Able to parry that. Ooh, leg drop! Delivers the leg drop. Hoisting their opponent. Oh, Fisherman's Buster! And now Rhodes can't stop this momentum. Yeah, some flaws in Cody's game plan are. La vie, je suis en tryhard là, les gars. Vous allez voir. Anything they can to chip away at the base. Il va rien faire. No. Somersault punch. Allez, dans ta gueule. Allez, on dans le ring. Qu'est-ce que moi qui rentre, pardon. Tiens. Allez. Oh. Bah alors, Cody, on galère. On ouvre sa gueule et qu'on est dans le match, on dit plus rien. Big strike across the back. Allez, lève-toi. Lève-toi, regarde, je suis gentil, je te relève. Bah, pourquoi tu retournes au sol? Bah, il y a un problème. Bah non, désolé, j'étais un petit peu d'espoir, mais c'était exprès. Attends, excuse-moi. Hein. Attends, excuse-moi, je veux te faire un câlin. Ah, tu veux pas? D'accord, ok. Non, mais c'est pas grave. Hop, attends, excuse-moi. Hop, là, une petite danse, ça fait plaisir. J'aime la danse pour ça. Oh là, esquive. Je crois que t'as bien dormi sur le sol. T'as pas dû dormir beaucoup hier soir, c'est pour ça. Je pense. À peine un. En fait, tu vois, je te laisse le finish. Et ensuite, tu vois, je te mets un 1, ça. Mentalement, t'es pas bien. Tu vois, allez, hop, un petit comeback. Pour les gens, pour le spectacle, tout ça. Allez, hop, que ça, ils ont payé pour l'argent. Salut, bonjour. Bah alors Cody? Cody? Bah, y'a un problème? Allez, une petite German Coastline, ça fait toujours du bien et ça remet les idées en place, regarde. Allez! Switch music! Ouais, mais je comprends aussi, ça monte à ce soit comme ça, tu mets un porte-étendard un peu à la John Cena, ça marchait hein, à l'époque. Là, le problème de Cody, c'est qu'il est trop dans les histoires de la Bloodline. Faudrait qu'il s'en détache. C'est ça son problème. Et qui fait que son règne est pas ouf. C'est qu'il est trop autour de la Bloodline. On l'a vu que ça pendant 2 ans. Et là, on fait que pareil pendant je sais pas quoi de temps. Je l'éclate, oui, oui. Bah alors? Bah Cody? Oh bah. Je croyais que t'allais m'apprendre le respect, la vie, tout ça. Dommage, hein.
Bon allez, lève-toi un petit peu là, j'ai l'impression d'être un jeune là qui est en train de taper un mec en EHPAD là. Hop, attends, un autre super kick s'il te plaît. Non. C'est toujours plaisir, non? Attends. Non, hé. Oh, il est revenu. Bah c'est déjà fini. Bah alors? Bah Cody! Mais relève-toi! Bah... Attends. Oh bah excuse-moi! Oh bah tiens, encore battu! Oh bah deux! Bah alors Cody! Olé! Ah voilà! Ah ouais, mais frérot! Attends, excuse-moi, je crois que j'ai fait un truc que t'as fait à l'époque quand t'étais à l'AEW, non? C'était chier sur notre patron, non? Bon, il résiste, c'est mignon! Il résiste! Oh! Allez! Bah, c'est déjà contré. La résistance était pas longue, hein. Bon, il a du bol. Attends, je vais te faire un câlin parce que tu m'attristes. Regardez, câlin. Ah bah, il veut pas de câlin, hein. Je suis triste, Cody, hein. Moi, je voulais te faire un câlin. Allez, hop. Oh, je vais soumettre Cody Rhodes. Allez, on arrête de rigoler. Soumets-toi. J'ai joué avec lui. Ah, revenge. Oh ta gueule! Oh, attends, faut que je remette ça, c'est bon. Ça va prendre beaucoup d'installation. Voilà. Hop, et on remet. Merde, attendez. J'ai mal remis. Filez-moi. Hein. Quand je remette bien. Ouah. Ah! Je l'ai défoncé. Elle se trouve à l'extérieur, merci. Ah. Ouais, je pense qu'avec la rivalité Kevin Owens, peut-être améliorer le règne. Ouais, mais là, faut l'améliorer. Hein. C'est votre carrière, oui. Ouf. Je l'ai défoncé. Je l'ai... Ah, je suis fatigué, là. T'es mec. J'ai appris ce que c'est le respect. Bon, let's go. Il a aussi histoire qu'il faut savoir que Cody Rhodes devient l'undisputed WWE Universal Heavyweight Champion. La superstar avec tout l'or sera à WWE Raw ce soir. Anecdote, Zorak Vos va égaler le record de Roman Reigns pour le WWE Universal Championship à WrestleMania cette année. Eh bien écoutez, on va lui apprendre le respect à Roman Reigns. On a combien de points? 30 points. Ouh, prise. Bon alors, oh William, oui, William, tu me régales. Comment tu vas? Good to see you, champ. Congratulations on your big win against Cody at the Rumble. Merci. Feels good to finally quiet the critics. Indeed. And good to have you back here on Raw too. Although last time you visited, ended with me sporting a black eye. C'était pas voulu. It was a heated moment and you got caught in the crossfire. Sorry about that. We good? I've been in this business for 40 years. If I cut ties with everyone who's punched me in the face, I'd have no friends. I'm glad we can move past that and focus on what's next. Don't you mean who's next? Since you're holding all the gold, you'll be facing the winner of last night's Royal Rumble match, Montez Ford. Montez Ford? I've wanted to mix it up with him for years.
WrestleMania is going to be huge when I tear the house down with Ford. Bon test, Ford. Ah ouais. Roman's record. Well, ah, c'est bien, we're mais... going to give the WWE Universe a preview of WrestleMania when you and Montez have a little chat in the ring tonight. Let's do this. Ça sent un autre adversaire. Je suis sûr qu'on va pas affronter Montez Ford à Mania, c'est pas possible. Bon sang que c'est bon de gagner Royal Rumble. Ce soir, vous découvrirez ce que j'ai prévu pour WrestleMania. Un 10, un type avec les deux titres. Bravo Montez Ford. Évidemment, parce que c'est sa femme, hein, pour ceux qui savent pas. Pierre Caballer, hein. Pas Montez Ford, sa femme de Pierre Caballer. Graphiquement, il est vraiment pas ouf, je trouve. Le problème, en fait, c'est qu'il est encore sur les old gen. Donc il peut pas être avoir le big, tu sais... Mais je comprends ce que tu veux dire, Jojo. Même si ça va. Crown, double champion is here on Raw to kick off the road to WrestleMania. Ladies and gentlemen, it is my distinct pleasure to introduce to you the undisputed WWE oh, les teams me vont bien, hein. Universal World Heavyweight Champion. That's quite a mouthful, champ. I agree. Maybe we'll just call him the undisputed champion from now on. Well, hello there, Raw! It's pretty damn cool to be back where I started, but on a whole different level. Speaking of reaching a whole new level, I'm not the only guy who had a good night at the Royal Rumble. See, there's a man who's got a WrestleMania main event to cash in. Ouais. A superstar who's ready to make the leap. Honestly, he reminds me a bit of myself from a few years back. So let me introduce you to this year's winner of the Royal Rumble match, Montez Ford! Oh, we're gonna see it now. The two biggest dogs in the yard are gonna face off. Salut Jojo. Both these men look ready to go. Well, they're gonna have to wait until WrestleMania. It's a mutual respect between Ford and the champion. What's this? It's not the best time for technical difficulties. Roman. It's Roman Reigns. This guy will not let our champion. Ok, 25, ce sera vers avril, je pense. C'est souvent avant WrestleMania. Undisputed, hein? Look at you, peacocking around like you mean something. That title you took from Cody at the Rumble, they made it up because nobody could beat me. C'est Florian. I am so tired of hearing people compare you to me. Are you so deluded that you really think I would let a pretender like you time my record with the Universal title? Nah. Mm-mm. Come on. You shouldn't even be there. Montez Ford! You're a young man with a bright future. And I'm sorry to say this, but you're not the guy I can count on to beat this clown at Mania. So there's been a change of plans. See, what I did is I took a big briefcase full of my Hollywood money, flew in my private jet out to the woods of Minnesota, and I hired myself a hunter who knows a little something about ending streaks at Mania. Non. Ah oh, putain, c'est vrai, j'avais oublié. It was fun while it lasted. Chief. What? The beast is back. Ah, brocoli. Montez Ford isn't gonna roll over for anyone. Here we go. F5 on the stage from Brock. Ah, je comprends pourquoi tout le monde dit En fait, c'est là que je comprends. Non, moi, c'est... alors moi je dis pas c'est à quel moment Roman aurait fait ça. Moi, c'est à moi à quel moment Brock aurait fait ça. Je vois pas Brock récupérer l'argent de Roman et faire ça. Mais bon.
Je comprends du coup pourquoi vous dites, vous m'avez dit que vous attendiez une suite, parce qu'à mon avis le match Roman contre notre perso on l'aura jamais dans le mode uni, dans le mode d'histoire. Parce que je pense que ça s'arrête à Mania, donc quand on va battre Brock. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Donc j'imagine que ça doit être à cause de ça. Montez Ford is down, Regal is down, Dark Horse is down. Who can stop Brock Lesnar and the Bloodline? The reunited Bloodline and Brock are working together to break the undisputed champion before he can make it to WrestleMania. And the champ can't do a damn thing about it. T'as vraiment, ça veut dire que là on aurait 3 ans de rivalité où Roman il serait même pas là pour avec 3 ans. Putain la vache, là c'est part-timer ACL. Hein. Le vainqueur du Royal Rumble, Montez Ford, s'est fait casser le bras par Brock Lesnar, ce qui l'empêchera d'aller chercher le titre à WrestleMania. Le champion WWE Universal Heavyweight Champion Zorivo, ça a demandé un match pour tout l'or à Lesnar à la place. C'est pour ça que je suis le head of the table. Vous pensiez tous que la Bloodline était finie, mais on est revenu plus fort que jamais avec une bête. Je vais me poser et regarder Brock Lesnar détruire le rêve de Zorak Vos de battre mon record. Et en tactique de l'histoire du catch pour toi? Oh Oh, compliqué. Je cherche toujours sur celle-là. Je dirais Oh putain, je suis toujours Tu fais plus d'un challenge? Si, c'est juste que j'ai fait une petite pause. J'aime pas bourrer les concepts. En fait, des fois, quand je joue trop un jeu, ça me lasse un peu. Donc, je mets des petites pauses et je reviens après. Mais le un challenge, je reviendrai, vous en faites pas. Je réfléchis. Quel est mon tag team préféré? Je saurais pas dire. En vrai, je saurais pas dire. J'en ai tellement que j'aime bien que je saurais pas dire. Toujours compliqué cette question, je trouve. Isn't this great? Roman's brilliant plan. Sans sumarelle avec Kostova, peut-être. Ouais. À la DX, ouais. J'aime beaucoup. Who's the best GM in WWE? It's me! You are the picture of class, Miz. I have exactly zero patience for you or any of this. I want the Bloodline, and I want them now. I am generally not in the give the dark horse what he wants business. But in this case, I cannot wait to see Brock and the Bloodline break you and your big dreams of beating Roman's record at Mania. You're gonna be disappointed. You don't even sound sure yourself, but whatever. You want to get the hell kicked out of you on the way to Mania? Who am I to stop the fun? Batista et Mysterio, ça a jamais vraiment. Alors, ok, c'était une équipe, mais elle a jamais duré vraiment très longtemps, donc je la considère pas vraiment comme une équipe, plus une. Comme un groupe de circonstances, tu vois. Ils ont été potes, ils ont créé une team sur un moment, ils ont gagné un titre, tu vois. Mais c'est pas une grosse équipe, tu vois. Comme pour moi, les équipes, les meilleures équipes du monde, entre guillemets, ou une équipe qu'on veut considérer comme la meilleure d'une ère, faut que ce soit une équipe qui est tenue dans le temps, genre un équivalent de New Day, tu vois. Si on prend par exemple Palmarès, ça serait New Day. Émotion aussi, parce que New Day a énormément d'émotions dans ses matchs, il y avait des matchs incroyables à une époque, mais tu vois, il y a plein de trucs en fait qui peuvent changer, tu vois, et il y a plein de trucs qui. Après, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, d'à quelle époque t'as vu les trucs et tout. Pas vraiment tag team, mais la meilleure équipe du catch restera le Shield. Non. Non. Non, voilà. Le Shield, c'est un bon clan, oui. Le meilleur clan de tous les temps, jamais. La meilleure équipe de tous les temps, jamais. Mais jamais. Hardy Boy, c'est Nostalgie qui parle. Allez, Hardy Boy, c'était excellent. Tu regardes AJ Christian, pareil, hein, c'était excellent. Le duo Miz et Airtrou, ça ne fonctionne pas du tout. Oh, je trouve ça va. Moi, je pense Uso, hey, DX. Très bonne deux très bonnes équipes. Bloodline after what they did to you and Regal. I am. They're gonna get what's coming to them. Nobody knows the Bloodline better than I do. I know your story, Sammy. You don't. You only know what you saw on TV. Let me help you take them down. Shield, meilleur clan de tous les temps. DX. Next, DX, Legacy, Bloodline à un certain extent, NWO. Tu veux que je continue? Parce que j'en ai encore plein, hein. Evolution. Il y en a plein qui tabassent la blood, le Shield. Parce que autant le Shield, les catcheurs après, si tu les prends un par un par rapport à ce qu'ils ont fait, c'était cool, hein. Mais pendant le Shield,
qu'est-ce qui a fait vraiment marquer le Shield? Alors, leur rivalité contre Evolution, oui. Mais qu'est-ce qu'on retient maintenant du Shield maintenant? Deux secondes. Réfléchissez, deux secondes, vous allez avoir la truc. En tout cas, c'est pour moi, bien sûr. C'est le coup de chaise. Et le coup de chaise, bah, c'est le seul truc qu'on retient. Ou c'est le truc principal. Et le truc principal, c'est la trahison et la fin du clan. Les catcheurs, après, en tant qu'à part entière, après le truc, oui. Mais pendant, rien. Oui, oui évidemment, il y a le titre US de Dean Ambrose. Mais à ce moment-là, si on part sur les titres, le Judgment Day est meilleur. Judgment Day, ils avaient le titre World masculin, le titre World féminin. Ils ont eu les tag teams. Ils ont eu le Nord-Américain de NXT. En fait, c'est ça. C'est si on prend, en fait, si on prend par rapport au titre, mais le Shield, c'est rien. Et le truc qu'on se souvient 90% du Shield, c'est sa rivalité contre l'Evolution. Et ensuite, sa rivalité aussi contre Bray Wyatt et la Wyatt Family. Et la trahison, tu vois. Pour moi, c'est pas un des meilleurs clans du tout. Il est très bon, hein. Je dis pas le contraire. Mais meilleur clan de tous les temps, jamais. Mais même pas prêt pour moi. Il y a énormément de clans qui le tabassent. Hein. Oui, le fait qu'il soit reformé 99 000 fois, oui, c'est aussi. Sammy, I appreciate that. I do. But this is... Look, I tried to take out the bloodline alone and it didn't work. You need backup. Salut Luffy. I owe my career to Regal. I wouldn't be where I am today if it wasn't for him having faith in me when nobody else did. And then the bloodline tore him apart while I did nothing. Nothing. I hear you, but I'm telling you, you're making a mistake trying to do this alone. We haven't even talked about the fact that they have Brock Lesnar now. Ouais. I don't have time for any of this. I'm done talking. I'm taking down the bloodline. Now. Well, I tried. Good luck, champ. You're gonna need it. C'est-à-dire que Roman est plus proche de la fin de sa carrière que le début. Comme énormément de catcheurs, hein. Un changement s'impose. Il est temps que la bloodline connaisse la peur. Ouh. La Team Cena contre Authority, je l'ai vécu en direct, j'étais heureux, tu m'étonnes. Surtout avec Sting, Sting ça devait quelque chose. Hein. Ever, Solo Sikoa. It's the undisputed champ. He's taking a big risk if you ask me. This is our undisputed champion attacking Solo in the parking lot. Allez. Alors le Tribal Chief là. Bon alors pas dans ce truc là hein, mais vous avez compris hein. T'as regardé la WWE en quelle année? J'ai commencé, alors à la base je regardais vraiment de manière pratiquement inconnue quand j'étais petit. Ensuite j'ai fait une grosse pause. Ensuite j'avais voulu regarder des edits de Rey Mysterio à une époque. Et en fait je m'étais dit bah tiens, et si je regardais un peu ce que la WWE fait en ce moment. Et je suis tombé sur la chaîne YouTube où ils mettent du coup tout ce qui se passe les weekly. Et ça, je trouve ça trop bien du coup. Et j'ai repris comme ça. Et j'ai repris, c'était le Raw après le SummerSlam où Finn Balor a gagné le titre. Donc c'était le Raw où Kevin Owens a gagné le championnat dans un Fatal 4-Way Elimination avec Big Cass, Roman Reigns et Seth Rollins. Ça, c'est à ce moment-là que j'ai repris le catch. On va se retrouver avec Dom Dom, champion de WWE, ça va me foutre la haine d'avance. J'adore Dom Dom, c'est un des meilleurs catchers actuellement, il est excellemment bon. Il est trop bon, Dom Dom, c'est un dieu. Ça va et toi, Yam? Ouais, 2016, je crois, 2016 ou 2016, je crois. J'ai connu les meilleurs moments de The Miz aussi, je suis trop content. Oh, wicked kick to the lower back. Hop, j'arrive pas le match cercueil contre Kane. Ah bah ça, il est fini depuis longtemps, hein, désolé. Hein. Près de la voiture rouge, j'ai loué la voiture rouge. The Miz 2011 Prime, pas du tout. Le vrai Prime du Miz, c'est 2016-2017.
2018 quand il était autour du titre intercontinental et qu'il est avec Dolph Ziggler. Ça c'était le prime mais puissance 20 000. D'accord, je viens de me faire niquer. Merci le jeu. Champion WWE, mais il avait rien. Il avait pas de gimmick, il avait été champion par défaut parce qu'il y avait plus personne d'autre qui était vivant entre guillemets parce qu'ils étaient tous blessés. Le vrai prime c'est autour du titre inter. À l'époque, il avait réussi à transformer le titre inter en un titre bien plus important que les titres world. Hein. Côté conducteur, ok. Je sais plus du tout pour l'équipe avec Root. Non, l'équipe avec Root, c'est vers 2020, les gars. Un peu comme Gunther dans les dés. Ouais. Mais pour moi, mieux. Parce que, bah, après, moi, Miz, c'est mon catcheur préféré aussi. Kane et Undertaker, meilleur duo. C'était un très bon duo, je suis d'accord. Je commence à regarder catch car une fille elle l'a mis dans le bus en colonie. J'espère que tu t'es mis en couple avec cette meuf. Moi ce serait mon rêve d'avoir une copine qui regarde du catch, ce serait trop bien. Meilleur truc. Bah Kane il est parti en retraite mais... Oh la vache. Ouais bonne carrière ouais. The newly reformed bloodline has left our undisputed champion lying. Crap ta vache. 3v1 par contre, ma bloodline hein. Comment le mode de ma carrière c'est My Ascension. Info, après avoir agressé violemment, après avoir été violemment agressé par The Bloodline sur le parking de Zorakvos, c'est sorti du clinique local. J'adore ce que ma famille a fait au Dark Orc, ça t'a plu, cette petite visite à l'abattoir. Parce que vous avez compris, je suis un cheval, donc l'abattoir. Eh, il y en a là-dedans. Sauf que ta team que j'aimais, c'était Ricochet et Braun Strowman. Ça n'avait aucun sens, mais c'était cool. C'est vrai. Moi, j'ai commencé le catch il y a 8 ans, 2016. Je suis trop attaché à Roman Reigns. Bah, pareil, ZK, on a commencé à peu près en même temps. Narco. Malheureusement, non, j'ai une copine qui aime pas le catch, qui aime pas regarder le catch. Ah, merde. Ah, dommage. Kate, Daniel Bryan, l'équipe la plus drôle. Elle était vraiment drôle, ouais. J'ai commencé le catch 2 ou 3 shows après Maniac 25. Ah ouais, ça date. Je vais commencer, ça va bien recopier Mysterio, t'as raison. Ah bon Samy, je m'imagine que tu vas me faire le truc 2. Je te l'avais bien dit, tu me l'avais bien dit. That didn't turn out so well. Non. Yeah, maybe you were right. There is no taking the bloodline out one at a time. There's only taking them all out in a single blow with even numbers. The Usos have a match tonight. I should strike afterwards when they least expect it. Or, should I say, we. You win? Yep, but knowing how they operate, we're gonna need one more guy. You got someone in mind? Tous les jours! I do. Finn Balor! Let's do this. Quand il catch en 99, putain la vache. Plein époque Legacy. En 2011, ma mère voulait me faire plaisir, donc m'a amené voir du catch français. Ah, let's go! Nice. Ça, c'est beau, ça. C'est vrai, point de compétence, c'est chiant. Non, t'avances juste une histoire. T'en as plein. Mais bon, c'est pas grave, c'est plaisir. Ouais, tu m'étonnes. Hey Roman Reigns, il fait quel temps à Los Angeles, hâte d'être au match de tes cousins ce soir, ne rate pas le spectacle, ça va chauffer. On va leur péter le cul. Moi j'ai connu le catch, ouais, génération NT1 comme vous. Par contre, mais je me suis vraiment mis, ouais, du coup, parce que c'était chiant pour à l'époque la télé et tout. Donc moi j'ai vraiment regardé. Bah ouais, 2016. Sami Zayn and the Undisputed Champion are getting after the Usos, sending a direct message to Roman Reigns.
Ouais, Jimmy Uso vers le coin inférieur droit. Bah, c'est bon. He was smart to bring their old rival Sami Zayn to the ring. Watch it, you soul! Up to the electric chair, down for the drop. Zayn held close. This isn't a match, it's just a fight. Hard strikes from the champ. Ah, tu m'étonnes, Tito Kino, ça devait être ultra bon. Pas de sauce roquefort là. Je déteste le fromage cru, il faut le savoir. Mais dès que c'est dans des sauces, que c'est cuit, etc., genre raclette, tout ça, j'adore le fromage. Mais cru, je déteste ça. Mais après, tu peux mettre n'importe quel fromage dès qu'il est un peu fondu ou dans une sauce, j'adore. Oh, j'ai tabassé le futur Tribal Chief, incroyable. Le FTC. Quand tu es pour faire ça, c'est le mode histoire. Tu regardais le catch sur l'intérieur et après tu faisais un truc pas catholique. Ah d'accord. Chacun ses goûts, hein. Si t'avais des kicks sur certains catcheurs d'AWE, il n'y a pas de problème. Non, tu juges pas. No judge ici. C'est vrai que vous se croit malin. Sami Zayn est le seul autre allié de Dark Horse que Dark Horse a su trouver. Attends, quoi? Et le seul allié, oui, faut le regretter jusqu'à la fin de leur jour. Et tout ce qu'il reste à Mania, ce sera leurs os à ronger pour The Beast. Me décevez pas, Uso et ceux-ci, quoi. Non, faisait. Ouais, t'inquiète. En ça, Kelly. Ah, mais oui, mais en ça, il y a énormément de meufs à la WWE. Moi, je. Franchement. No problemo. Ah, salut, Geoffrey. Comment tu vas? Alors, tu as un nom qui peut inspirer la haine, hein, mon cher ami. Je ne dirai rien, mais Geoffrey, on connaît un Geoffrey. En ça, on veut le péter le cul. Hein. Mais pas sexuellement. Hein. Tu m'as donné envie de faire le mode histoire. Bah, fais-le, ils sont sympas. Du coup, j'ai le t-shirt de Batista Paul Undertaker. Putain, la vache, nice. Et même la serrette à couverture. Putain, bien. Moi, j'ai des ceintures et une chaise. Et d'autres trucs. F-Torres, ouais, F-Torres, il y avait un truc. On va me regarder bizarrement maintenant. Bon, t'inquiète, hein, c'est toujours bizarre. Hein. Salut, monsieur TB, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a avec mon prénom? Prends ton prénom. Et il y a un mec qui a directement. Prends ton prénom et mets-le dans la pop culture. Et tu vas voir, il y a un personnage qui est pas vraiment apprécié avec ton prénom. Quand j'étais petit, je jouais à la tenue du Big Dog. Elle a un flow, hein, elle avait un flow. You must be feeling pretty good about yourself after outsmarting the bloodline. Eh ouais. Well, you can keep riding that high because I have some good news for you. Ah, enfin des bonnes news. That would be a first. Miz has made a match. You and your two self-destructive brothers in arms are going to take on the bloodline. Geoffrey. In a no disqualification six-man tornado tag match. Non, encore un match tag. Ah, j'en ai marre. Ah, envie de mourir. Alors non, pour ceux qui, si tu te demandes par rapport à Geoffrey, il y a une référence avec une série. C'est une série. Je peux vous donner un indice dans une série. Oh là là. Ah, moi aussi je les ai, Skyfree. J'ai toutes les cartes de la saison 1, 2 et 3. Je dois en avoir la moitié. J'en avais retrouvé il y a pas longtemps. Mais tu sais qu'ils en sortent toujours des cartes comme ça. Alors pas avec les noms, mais plus des cartes de collection vraiment. Ils s'en sortent encore. Bon allez, ramène-moi ton vieux match d'équipe là de merde. You managed to get that out without looking at the note on your hand. Good job, Troy. We accept. Oh, putain, Tornado Six Man Tag Team Match, putain. Oh l'enfer. J'admire ton envie d'aller affronter la Bloodline, mais tu as deux doigts d'égaler le record de Roman Reigns et de sortir de son ombre pour de bon. Arrive à Mania blessé ou pas arrivé du tout même. C'est un dur coup à... C'est un coup à tout gâcher, pardon. Waouh, j'ai... Je t'apprécie, mais je sais ce que je fais. Concentre-toi sur ta guérison. Je veux que tu sois à Mania pour me voir entrer dans l'histoire. Ça aime beaucoup.
Ah merde, tu t'es été jeté. Ah bah moi je les ai encore hein. Faudrait que je retrouve, mais l'album il doit pas être loin. Je pense que je peux trouver ça facilement. C'était juste pour faire la rêve quoi, c'était pour faire la blague, t'inquiète pas. Très beau nom de Geoffrey. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est la musique de Mania 40, parce que j'ai changé la musique et que vu qu'ils ont mis la musique de Roman Reigns normal et que j'ai retiré la musique de Roman Reigns normal, là ça met celle-là. C'est quoi cette musique? Ah, parce que j'imagine qu'ils font entrer en équipe, donc on a une musique de merde, c'est ça? Exactement. Il me manque un titre là par contre hein. J'ai pas envie de dire quelque chose mais il me manque un titre. Mais en plus c'est une musique de la commu. C'est une musique d'un catcheur de la commu. Parce qu'on a modifié du coup la musique par base. C'est génial. Allez salut. C'est la musique de Megabara, y'a rien à voir. Allez, on leur tabasse le fiac. Salut Théo, quand tu as. Ouh, German Suplex. Salut Frizou. Oh, bien et toi, bah tranquille. Donc tu devais regarder le tatouage sur le visage, mais maintenant c'est plus simple. Ah oui, maintenant pour Jay et Jimmy, c'est facile. T'en as un, il a un dégradé et l'autre il a des queues de cheval. Voilà. Bien et toi, bah tranquille, tranquille. Oh, l'angle de caméra qui va être horrible là. Je fais des fines. Je me suis chié. Oh là. J'ai raté. J'ai quand même détruit la WWE, franchement la WWE c'est un truc de que j'adore. Ben la WWE c'est génial. Oh, boom le dive. Il y en a, il a titre inter et l'autre il en a pas, c'est vrai. Ah d'accord, je vais me taper les deux là. Vraiment. Dégage. Leg drop. Tiens. Mon genou dans ta bouche. Et solo tu te ramènes. J'ai raté, c'est pas grave. Spider-Man. Dieu, j'aimerais te remercier pour 3 petits points. On m'a insulté, d'accord, non, je déconne. Je vais passer dans le chat, mais tes lèvres me redonnent le sourire et tu me transmets la bonne humeur. Ça fait plaisir, merci à toi. C'est exactement ce que je cherche à transmettre pendant mes lives. Donc ça fait plaisir, merci. Oh, on a failli défoncer le match direct. En fin, il était trop chaud. En fin, il était chaud de la du sexe. On tente la soumission. Ah non. Je pars ici. En tout cas, c'est merci, ça fait plaisir les gars. C'est les meilleurs messages et les meilleurs remerciements que vous pouvez me faire. Mes streams, ils sont juste là pour moi me donner un peu de plaisir, pour m'amuser un peu. Et si je peux amener un petit peu de bonne humeur, faire changer un peu ou faire oublier le quotidien de personnes pendant les lives, bah c'est tout bénef hein. Je vais me faire complètement atomiser par sa misère. Mon ex voulait me quitter car je regardais le catch et que c'est un truc d'enfant. Ouais bah elle dégage hein. Moi c'est comme s'il y avait une meuf, elle me disait moi j'ai eu deux trucs très récemment. Je m'en pose deux secondes, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'ai eu deux trucs récemment. Il y a deux meufs que j'ai rencontrées. Il y en a une, elle m'a dit j'aime pas la France, donc je vais déménager, je pars de la France.
J'ai fait next, ça dégage. Je partirai jamais de la France, mais jamais. Jamais. En voyage, oui. Déménageant dans de la France, jamais de la vie. Et il y en a une autre, c'était. Elle m'a balancé un truc. Je suis musulmane. Et vu que je suis musulmane, je peux que épouser un mec musulman. Alors, je savais pas qu'il y avait ça. Je croyais que c'était justement, entre guillemets, une légende. Parce que j'avais entendu dire justement que c'était pas. C'était pas une obligation. Après, peut-être que j'avais mal du coup entendu le truc là. Et du coup, je lui ai dit, mais jamais. Jamais je troque. Entre guillemets, jamais je ne pourrais aller en dehors de mes convictions catholiques pour me mettre en couple avec quelqu'un. Ma France, mon catholicisme, on me les laisse. Tout ce que je demande. Je peux faire je peux faire des compromis sur certaines choses, mais ma religion et mon pays, jamais de la vie. D'ailleurs, c'est peut-être tabou pour toi, mais tu travailles dans quoi hors stream? Je stream. Les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a d'être en France. Eh oui. Eh oui. Je peux comprendre qu'il y a certaines choses qui sont nulles à chier. Tout à fait d'accord avec eux. Mais tout résumé à de la merde, non. Il y a énormément de gens qui aimeraient vivre en France. On va partir de Belgique, ça dépend du pays proposé. Ma France, mon sauciflard. Pour le coup de la région, ça dépend des origines de la personne. Ah ok, je ne savais pas, merci pour l'info. Je dormirai moins con ce soir. Et German Classline. Les musulmans peuvent se marier avec des non-musulmans, mais la femme ne peut pas. Ah d'accord. Ah je savais pas. Donc un homme peut, mais une femme ne peut pas. Intéressant. Gagné. Merci Clemskirt pour le follow Twitch. Honnêtement, te voir sur tous les différents lives de la chaîne. Ça va être sans plaisir, merci à toi. Bah je ne savais pas. Bon, je peux les faire avec les derrière, mais j'ai l'impression d'aller les chercher. Allez, salut les gueux là. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui sont cathos, mais pouvaient pas sortir. Genre en mode les gens pouvaient que sortir avec des cathos, c'est ça que t'es en train de dire? Ça c'est des conneries hein. Après c'était peut-être d'une autre manière. Alors je ne sais pas comment c'était. Et peut-être que je dis des conneries hein. Mais c'est peut-être dans l'optique du vu qu'il y en a ils font rien avant le mariage. Merci Salva Katbati pardon pour le follow Twitch. Je vais te voir sur tous les différents lives de la chaîne. C'est trompé, c'est à toi. Peut-être que c'était juste que vu qu'ils voulaient se conserver avant le mariage, ils voulaient entre guillemets peut-être avoir quelqu'un de cateau pour que justement ils étaient sûrs que ça allait rester dans ce truc là. Et peut-être que ça allait être moins compliqué, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas exactement, peut-être hein, je sais pas. Cato de la même origine, nasté des Améréens et des Roumains. D'accord. Je sais pas dire. Ah non, c'est la limite du mariage arrangé. Ah, d'accord. Oui, bah après c'est du mariage arrangé, tu m'étonnes aussi. Là, c'est même pas que la religion qui a un problème. C'est en soi, c'est n'importe quelle personne qui est pas du coup des parents, tu vois. Même si c'est normalement, interdit les mariages arrangés, tu vois. Tu te gardes pour le mariage. J'aurais aimé, mais non. Je l'ai pas fait. J'aurais aimé, mais je l'ai pas fait parce que déjà de 1, trop compliqué de trouver quelqu'un maintenant. Mais vraiment premier degré. Hein. Ça fait un peu vous savez, le truc des dark Sasuke de l'amour. Vous voyez, les mecs là, ouais, les meufs, c'est tous des salades. Non, c'est pas vrai, c'est complètement con. Mais est-ce que c'est plus compliqué de trouver quelqu'un maintenant qu'à une certaine époque? Oui, ça c'est obvious. Surtout pour un mec entre guillemets lambda. Mais moi j'ai eu des. Moi je l'ai dit, hein, j'ai eu des périodes dépressives. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait entre guillemets. Je me suis laissé aller sur certaines choses. Ce qui fait que du coup je me suis pas gardé pour le mariage. Et que je regrette d'ailleurs. Alors pas forcément pour le mariage, mais plus pour ma copine. Et que je n'ai pas, hein, évidemment. Pour moi en fait, le couple, le mariage, les enfants, ça restera pour moi un rêve inaccessible. Dans le sens où c'est un de mes rêves de vie, tu vois, d'avoir ma femme, être marié, avoir des enfants, tu vois, avoir un foyer stable.
entre guillemets, dans le classique, hein, parce qu'on peut avoir des foyers stables qui sont pas mariés, voilà. Dites pas ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai abandonné l'idée. Je pense qu'en fait, je sais pas, mais je me retrouve pas dans la manière de penser de beaucoup de gens de maintenant. Alors, je suis sûr qu'il doit y avoir des demoiselles qui ont exactement le même la même manière de penser que moi, etc. Mais en fait, j'ai plus envie de faire d'efforts, dans le sens où j'ai trop fait d'efforts à vouloir plaire aux personnes, me modifier, me changer, me brider, etc. Que j'ai même plus, en fait, j'ai plus envie de faire l'effort. Maintenant, si une demoiselle un jour arrive, tente de me draguer, etc. Je dis pas non, loin de là. Mais j'ai plus envie de faire l'effort, j'en ai marre. Parce que actuellement, moi, je parle d'expérience. Les demoiselles, alors après c'est la société, hein. C'est pas, voilà, c'est juste que il y a, hein, une situation qui fait que actuellement les mecs galèrent à trouver des meufs. Les meufs, si elles ont envie de se mettre en couple, je dis bien si elles ont envie de se mettre en couple, et qu'entre guillemets elles sont pas regardantes, elles trouvent un mec quand elles veulent. Nous on veut trouver une meuf pas regardante, on cherche, on trouve pas. Ou alors on galère plus. Il y a une facilité, c'est bien pour ça d'ailleurs que les sites de rencontres sont gratuits pour les femmes et payants pour les hommes, parce qu'il faut attirer de la gente féminine pour pouvoir justement essayer d'avoir un quota à peu près équilibré. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu tellement de moments où t'as des demoiselles avec qui ça match très bien et tu dis juste un mot de travers qui techniquement pour 98% de la population ce serait pas un mot de travers, et que elles, parce que je ne sais pas pourquoi, elles ont le truc qui fait que c'est un mot de travers vite fait, et tu peux même pas en fait apprendre de ton erreur. En fait, le problème actuellement dans la vie actuelle des couples ou de la mise en relation, c'est que t'as plus le droit à l'erreur. T'as plus le bienfait de l'apprentissage. Si tu fais une erreur, que ça tu sois en couple ou que tu sois en train de, on va dire, draguer, si tu fais une erreur, on n'essaye pas de te dire, alors faut éviter de dire ça, faut éviter de parler comme ça, je te préviens, c'est pas grave, tu pouvais pas le savoir, etc. Moi c'est direct ghosting, blocage, etc. Et je l'ai eu 4-5 fois de suite, hein, sur des trucs à la con. Mais vraiment des trucs où tu te dis, t'es limite en train d'analyser ton message en mode, attends, ça peut pas être le, ça peut pas être bonjour, parce que bonjour c'est bien. Bonjour, tu, donc c'est pas tu, parce que voilà, va bien. Est-ce que je devais pas lui demander si elle est bien? Tu vois, en fait, t'es tellement obligé de peser tes mots pour rien, parce qu'en fait, actuellement, au vu, entre guillemets, du bassin de choix possible pour les personnes, et ça, c'est tout à fait normal, quand entre guillemets, t'as plein de choix, t'as envie d'avoir la meilleure personne, t'as pas envie de te mettre avec quelqu'un par dépit, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, je ne jette pas la pierre aux demoiselles, c'est juste la société qui fait ça. C'est que vu t'as plein de choix côté demoiselles contrairement aux hommes, bah nous, quand il y a une erreur en face pour les hommes entre guillemets normaux, parce qu'il y en a, voilà, ils ont énormément de choix, etc., ça arrive. Mais par exemple, moi je sais que si je fais une demoiselle fait une erreur, je vais quand même lui laisser sa chance. Je vais pas la jarter pour une erreur, etc. On va discuter, si elle dit une connerie ou qu'elle dit un truc qui me plaît pas, je vais peut-être lui expliquer, parce qu'imaginons, je sais pas, elle me parle de mon père est décédé, oh là là, j'aime pas ça, etc. Tu vois, je lui explique, évite de parler de mon daron, ce serait bien, tu vois. Il y a tout un truc comme ça. Et le problème, c'est qu'actuellement, vu qu'il y a tellement de choix côté féminin, bah elles ont raison, mais dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, ça dégage. Et le problème que j'ai un peu actuellement aussi, c'est le fait qu'elles ne t'expliquent pas. Genre, en fait, elles te disent pas, ouais, j'ai pas trop aimé ça, c'est pas toi, mais je préfère qu'on en arrête là. Non, c'est direct le blocage. Y a pas, tu peux pas juste me dire désolé ça va pas le faire, point. Ou désolé t'as dit ça, j'ai du mal, ça me bloque. Un message, c'est pas compliqué d'envoyer un message. Pourquoi ils sont obligés de te bloquer et de te jeter dans le truc en mode? Parce qu'en fait le truc, c'est que nous les hommes, quand on a un truc comme ça, on aimerait savoir ce qu'on a fait de mal pour éviter de se corriger, pour éviter de faire du mal à d'autres personnes ou de mettre mal à l'aise d'autres personnes, etc., en fonction de ce qui va pas, tu vois. Et le fait est qu'elle te bloque comme ça, t'as pas de réponse, t'as pas d'infos, tu le devines tout seul et tu sais même pas ce qu'il faut modifier ou ce que t'as dit de conneries ou etc. Donc en fait t'as pas une amélioration, t'as pas une expérience, t'as pas d'amélioration, t'as rien, tu subis juste et tu fermes ta gueule. C'est pour ça que maintenant j'ai plus envie de faire l'effort. J'ai déjà fait avec mon ex 6 mois d'effort de relation que je me suis fait jarter comme une merde par SMS. J'ai essayé avec plein d'autres demoiselles où je me suis fait bloquer pour rien. Ou alors, il y en a eu une par contre, je dirais, voilà, qui a été très sympathique, qui m'a dit que malheureusement, ça ne le ferait pas parce qu'au final, elle ne recherchait pas une relation sérieuse. J'ai tout à fait compris. Elle me l'a dit, voilà, c'était des mots. Je sais parler français, je sais comprendre, je ne suis pas un enfant de 3 ans. Elle me l'a dit, pas de problème. Mais maintenant, je n'ai plus envie de faire l'effort. L'effort, il sera fait. S'il y a une personne qui vient me voir, qui tente de me draguer, je sais pas pourquoi, voilà, elle trouve que j'ai une belle tête, ce qui serait bizarre, mais
Voilà, elle a envie de me draguer, pourquoi pas, à ce moment-là, on discute, on voit, etc. Mais je n'ai plus envie de faire l'effort. Donc pour moi, actuellement, la mise en couple, le mariage, les gosses, le ménage ensemble, je pense que pour moi, c'est une utopie qui malheureusement n'arrivera pas. J'aimerais me tromper, mais bon, voilà, c'est la vie. Écoutez, hein, j'ai fait toute ma vie seul, je ne suis plus à ça près. C'est exactement ça, une erreur, ça change de produit, on marche sur des œufs H24. C'est vrai, malheureusement, on peut plus être nous-mêmes. Et donc, du coup, les demoiselles ou certaines personnes demandent qu'on s'ouvre, ou alors elles se disent, ouais, mais vous êtes renfermés, mais parce qu'on a peur de perdre des personnes avec qui on... Tiens, c'est un problème. Ça, je t'envoie un message pour rejoindre notre communauté de streamers. Je verrai ça. Salut, comment tu vas, Chitty? Excusez-moi, hein, je suis sûr que ça vous intéresse pas ce que je raconte, en plus que de la merde. Voilà, des fois, je pars dans des petits trucs, des petites tirades avec Vos. Ouais, mais le problème, c'est que ça, ce sont des filles, pas des femmes. Je suis pas d'accord, il y a des femmes qui ont exactement ce problème-là, mais qui ont, entre guillemets, ce problème-là. C'est pas un problème, encore une fois, mais il y a des femmes qui ont aussi ce truc-là, c'est que justement, vu qu'elles ont eu des expériences compliquées ou alors qu'elles sont plutôt âgées, elles vont justement vouloir trouver la meilleure personne pour plus avoir à se tromper ou ne plus avoir à souffrir. Donc en fait, elles font le tri, ce qui est normal, et ensuite, elles choisissent la personne avec qui elles ont le plus de chances qu'il n'y ait pas de problème. C'est pour ça le truc. Donc je dirais pas que ce sont les filles, je dirais peut-être les jeunes filles, oui, les femmes aussi. C'est peut-être juste les, peut-être au milieu où c'est un peu moins le cas, mais ça serait plus dans les extrémités, je dirais. Ou en fait même à tout temps, hein. En tout temps, tu préfères prendre une personne avec qui tu te sentiras mieux plus tard qu'avec une personne où tu te dis est-ce que ça va vraiment se passer, tu vois. Et c'est juste que nous, on n'a pas la possibilité de faire la même, tu vois. Souvent un mec, il a un match et il parle à une meuf tous les 3 mois quoi, ou tous les mois une meuf, elle va sur une appli de rencontre, elle peut avoir 20 matchs dans la journée. Tu vois, c'est pas la même chose. On n'a pas la même vision de comment on peut voir. Le problème, c'est que ce sont... non, ça, j'ai vu. Un homme, tu sais, on juge pas. Attends, quoi? C'est la différence où un homme, tu sais, on juge pas. Oui, nous, on juge pas. L'erreur est humaine, c'est normal. Je te comprends, cette société fait mal. Ouais, je reviens au bout... au bon moment, dis donc. Oh, bah des fois, je pars sur des débats comme ça. Attends, le match contre Brock. Eh, oh. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais merci, Alex, ça fait plaisir. Si c'est réel en vrai. Après voilà, c'est la vie. Moi j'aime bien que tu es pas là que pour streamer des jeux vidéo. Les streamers sont là aussi pour raconter des petites anecdotes. Ah mais moi je raconte des anecdotes, je parle de plein de trucs, hein. Des fois on parle de société, des fois on parle de dépression, on parle de harcèlement, tout ça. C'est important en fait de pas se rentrer dans la case. Je suis en train de faire un jeu vidéo, faut absolument que je speedrun le jeu vidéo et on parle que de ça. Non, si quelqu'un voilà, on lance un sujet sur un truc, on peut en parler, on peut en discuter, on peut faire plein de trucs, ça fait toujours plaisir, tu vois. C'est la communication, c'est de la mise en valeur, c'est voilà. Ça, c'est toi, pas les autres, toujours célibataire. J'ai pas compris. Les femmes jusqu'à 25-30 ans, elles cherchent des bad boys et pas des mecs bien. Ça dépend, j'en vois de plus en plus qui justement arrêtent avec le délire bad boy. Parce qu'à 25 ans, justement, souvent, elles ont, entre guillemets, goûté au bad boy avant. Et justement, elles en veulent plus. Il y en a qui, après, elles font ce qu'elles veulent, hein, encore une fois. Mais voilà, c'est un peu triste. Triste de se faire jarter pour une erreur, hein, évidemment. Pas triste qu'elle se mette avec des bad boys. Si elles ont envie de se mettre avec des bad boys, on n'a pas à dire notre mot, tu vois. C'est... Si elles aiment ça, elles aiment ça, c'est tant mieux. On va pas les empêcher d'aller avec ce qu'elles aiment. Après, c'est vrai que malheureusement, on connaît des histoires où ça se passe mal et où du coup, certaines demoiselles, malheureusement, de par cette expérience, voient les hommes de certaines manières. Comme par exemple, tu peux avoir une mauvaise expérience avec un policier, un militaire, un pompier, quelqu'un d'une religion différente, d'une culture différente, etc. Et tu peux te dire, ah bah cette personne-là, elle m'a fait du tort. Ah bah je vois toutes les personnes comme ça. Parce qu'en fait, t'as pas de contrepartie, de contre-exemple. Mais ça, c'est comme ça dans toute la société, on est tous comme ça. Donc malheureusement, ça peut engendrer des problèmes. Et nous aussi, j'ai la meilleure position. La levrette. J'ai même pas vu que toi, ah bah tu vois. Parce que j'ai 26 ans et les filles de mon âge n'aiment pas les gentils, je préfère vous prévenir. Bah j'ai 24 ans, hein, je suis à peu près dans la même tranche d'âge que toi mec. Hein. C'est tout. Hein. Et vous, quelle est votre position préférée? Excusez-moi, on clôt. Attends quoi? Je aussi tire un trait sur mes envies d'être en couple, sauf que moi c'est parce que à chaque fois on se fout de ma gueule. Je comprends. Mais justement, en fait, c'est pour ça que moi je pars du principe maintenant, limite faudrait en fait j'attendrais que quelqu'un fasse le premier pas parce qu'au moins je saurais que c'est pas moi qui fait les efforts premiers et qu'au moins la personne a un minimum d'envie de s'investir parce que c'est elle qui amène le truc, tu vois. En fait le truc c'est
ça arrive que tu fasses des efforts et que la demoiselle en fasse pas trop. Mais toi, tu rames et qu'ensuite, elle te lâche, tu vois. En mode, bon, il a fait des efforts, mais ça m'intéresse pas. Au moins, si une demoiselle tente de gagner ton cœur ou tente d'aller vers toi, tu sais qu'elle fait un minimum d'efforts pour essayer de t'avoir, tu vois. Il y a un minimum de trucs, donc il y a un peu plus de garantie. Pour ça que moi, dès maintenant, je partirai que à partir de ça, tu vois. Vers le nord ou vers le sud. Vers la Mecque, t'inquiète. Vers Jérusalem. La brouette, putain. Ça fait du bien de parler de ça en stream, Zorak. C'est la même chose pour moi. Même si j'ai que 16 ans. J'ai eu que 16 ans il y a 3 mois. J'ai appris que en 4 ans de relation, elle m'a trompé 8 fois. Putain la vache, à votre âge là, 16 ans. Oh ah, c'est. Chaud quand même. Après, c'est, tu es au début de ta vie, mon cher ami. Après, évidemment, c'est toujours dur, mais tu es au début de ta vie. Tu as encore de belles années devant toi. Ma famille m'a encore déçu, mais j'ai pas besoin d'eux. J'ai hâte de me prélasser dans ma caravane sur le plateau de mon nouveau film et de regarder Brock Lesnar dévorer ce qu'il reste de toi. Je t'ai prévenu, Zorivos. Maintenant, tu vas recevoir la note. Bien sûr. Bon, alors le Miz, comment ça va? Walking wounded have arrived. I'm honestly surprised you made it, after what Brock did to you and your friends last week. 3+ years, Miz. I'd think you would have learned about doubting me by now. Tonight, those doubts finally come true. I tried to warn you years ago that this would end in tears. Merci Stichoua pour les cadeaux, c'est plaisir, merci à toi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas pour ceux qui sont sur TikTok de venir sur Twitch, les gars. Grand écran, meilleure qualité. 100% des streams, parce que certains ne sont pas sur TikTok à cause de certaines musiques qui sont bloquées ou de certains jeux. Entre guillemets, ça pourrait faire polémique. Alors n'hésitez pas à venir, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire pour mon produit ou pour la chaîne, simplement, si vous souhaitez me soutenir. That you would come this close in getting out of Roman's shadow and fail at the finish line is going to eat you up for the rest of your life. You know the definition of insanity, right? Repeating the same action again and again, expecting different results. Eh oui. So what? So that's you underestimating me and having it blow up in your face every time. Not this time. Not against Brock Lesnar. I'm gonna paint you a picture. I keep my titles tonight. Time Roman's Universal Record. Then tomorrow, I watch night 2 of Mania. With my feet up in a skybox as the clock strikes midnight, and I beat Roman's record. Donc t'es en train de me dire que le match pour le titre Undisputed World Heavyweight Champion, qui est censé être pour un double titre, je le défends en nuit 1 et pas en nuit 2. Et du coup, je fais quoi en nuit 2? Je me touche la nouille. C'est quoi le main event de la nuit 2 du coup? T'as le plus grand match qui peut arriver en nuit 1 et nuit 2. Bon, j'imagine qu'on va mettre un match en nuit 2. Évidemment, c'est obligé. No. Yes, Miz. Yes. And then on SmackDown, you are going to have the Salut Mr. TB, à la prochaine, merci de passer. Introducing me as the longest reigning universal champion in WWE history. I guarantee you that will not happen. Bien sûr. Ouais, le Miz, ouais. Allez à WrestleMania. Mes tout bips sont à bout. À bout, comment ça? À bout dans le sens où j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Boris, pardon. En gros, j'ai ignoré leurs conseils. Je suis venu à WrestleMania. Je veux te voir tabasser Brock de mes yeux. Je vais pas dire que je soutiens sa décision, mais j'apprécie le geste. Je crois en toi, champion. Nuit 2, Mansoir versus Omos. Mon rêve pour le WWE World Heavyweight Championship. Oh, il est stylé le stage de WrestleMania qu'ils ont fait. Bon, ils ont pris celui de Night of Champions de. Non, Clash of the Champions de d'Arabie Saoudite, mais ça. J'aime bien les couleurs du titre, du machin. Il est joli. The Hunter and Streak Buster is here. It's
Ouais j'ai vu le docu. Salut Loup Noir, c'est le 24 le dernier. Non t'inquiète, y'a pas de soucis. T'inquiète pas, j'ai l'habitude des gens qui savent pas écrire dans mon chat. Il est bien, ouais il est cool. Encore une fois, c'est du jeu annuel 2K, hein, ça pourrait être mieux. Mais ça évolue. Ouais, bah faudra attendre. Roger t'a mangé. Bah Roger douche. Le seul truc qui pourrait faire que Brock reviendrait, c'est que son. Entre guillemets, son. Ses histoires qu'il a au tribunal et tout ça s'arrêtent et qu'on apprenne qu'il soit innocent. Mais bon, il y a le temps. Hein. Comment on fait pour avoir Brock? Tu ne peux pas l'avoir. Là, c'est dans le mode histoire. Ils l'ont pas retiré parce qu'il était déjà codé dans le jeu, mais tu ne peux pas l'avoir. Ah moi j'imagine que t'installes des modes. C'est pas la bonne musique. Salut Dimi. J'ai le jeu mais je sais pas quoi faire dessus. Mode histoire. Showcase. De la carrière. De l'univers. Plein de trucs hein. Non non arrête hein. Arrête les cagelus hein. En tant qu'athlète c'est un bon athlète. En tant que personne malheureusement si les trucs sont avérés bah c'est un peu moins une bonne personne que ce qu'on croyait quoi. C'est comme Batman hein. Si c'est avéré la personne aïe aïe s'en prend dans la gueule hein. Déjà qu'il y en avait qui en avait marre de lui à cause de son booking. Alors là si en plus ça à ce parti. Bon chat, est-ce qu'on l'humilie comme Cody Rhodes? Vous me dites. Si c'est oui, on l'humilie comme Cody Rhodes. Si c'est non, on le prend un peu plus au sérieux. Introducing the challenger from Minneapolis, Minnesota, weighing in. Allez, let's go. One more day, and the undisputed champion goes in the history books, tying Roman Reigns' title run. One day. I thought you meant that the champ has one more day on earth. After all, he is running head on into a buzzsaw named Brock Lesnar. Eh, fais vite, eh. Je ne bats que jamais mon travail, les gars. Vous devriez le savoir. On fait un match tranquille. Voilà, c'est normal. The challenger eating up some damage. Ouais, viens. Bah alors Brock, tu veux pas venir? Oui, non mais ça je suis d'accord, mais de toute façon on termine l'aventure, donc on fasse ça, que je prenne mon temps pour ce match ou pas, c'est pas grave, hein, dans tous les cas, on est bon. Oh, attendez, hop, on va réinitialiser le compte, voilà. Et je parle pas de mon nom de famille. LOL. Oh merde, bien joué. Yeah, Byron, you are dangerously close to being collateral damage in this one. Right in the mouth, relentless. Enough already. He climbs into the ring. Moves out. Tu reviens, Brock. What's the plan here? Allez, Brock, ramène-toi. Fais pas chier. Oh, mais regardez-moi ce pet de couille là. Allez, on sort. Ouais,
Eh merde. Eh bah je sors, c'est pas grave. Eh moi tant qu'on est dehors ça me va hein. Oh il me saoule. Bon on va le faire rapidement. Voilà. Elle sort du ring. J'ai dit sort du ring. Sors du ring ou je vais t'éclater la gueule. Sors du ring. Oh il m'a fait un inverté de Natural Selection. Oh c'est pris pour Charlotte Flair enculé. Voilà. Merde. And hanging tough, but beginning to show some wear and tear. Might want to think about picking up the pace a bit. Les comptes sur ces trucs, c'est très chiant. Waouh, Spinebuster dans ta sœur, voilà. Brock Flair, exactement. Voilà, Pellegrini dans ta race. Provoquer Brock. Bah alors, tiens pas. Voilà. Gagner contre The Beast. Oh, bon, alors là, c'est bon. Allez hop, rentre dans le ring. Ah moi aussi je sais faire des German hein. C'est con hein. Oh. Eh merde. Même pas. Eh merde. Fuck. Attends, je t'en mets une aussi. Ah, il veut pas. Ah bah non, attends, à moi. On a dit à moi, hein. Après c'est à toi. C'est on échange, à toi, à moi, à moi, à toi. Voilà, d'accord, là c'est à toi. Maintenant c'est à moi. Non, tu veux pas que ce soit à moi, d'accord, je vais me faire foutre, c'est pas grave. Allez hop. Et allez, on tente à tomber vu qu'il a la provoque. Et il a la révolte. 1, 2. Il a pas dit la révolte, pardon. Pardon. Allez, switch it music. Oh le bâtard. Just one final blow away from not kicking out next time. Uh-oh. Allez shit, on se met, tu te le fous là, je pense. Both wrists captured it. Man, knee strike. Oh la grappe. Je t'aurai ma chance, merci. Spinebuster. Allez, on tente de tomber. 2 révolte. This is going to come down to who wants it more. C'est parti. Switch in music. Ah, il veut pas. Voilà. Oh man, look at Lesnar's face. Switch in music. 1 2 3 4 5. Switch in music. Now that is why they're the champ. By the end of
Ah ouais, t'as des trucs comme ça, si. Dans ta Brock, c'est l'histoire, les gars. With the WWE Universal title. I can't believe it. It's about time you started to believe. Ah oui, après mille et quelques jours de règne, oui. Roman Reigns interrupting the champion's moment again at WrestleMania. You know what, Roman? I don't want to hear it. You've been doing this for 3 years now. Instead of what is it you're doing? Celebrity guest host on some game show, shilling your new NFT, or maybe, just maybe, you're filming another cameo in a failing sequel. Don't know what to say without a script? Oh. I'll help you out. The only table you're the head of anymore is the one that Rock brushes his crumbs onto. I'm here. I'm doing the work, and the only thing... I'm sure you got a lot to say, but it doesn't matter. When you want something done right, you gotta do it yourself. J'ai pas compris de quoi vous parlez, Gaversen, c'est Sky Freeze. You're not too busy tomorrow night, champ. Because the landlord is hein, back. Mon téléphone a vibré. Ah ouais. And rent is due. C'est ma mère. C'est ma maman. Mode hiver. Non, mode histoire, Anthony. Ah, désolé, les gars. Allez, heureusement qu'on est là, ouais, ça va, tranquille. Ma daronne, elle peut attendre à faire du stream, hein. Oh. Mamie, elle va attendre. Kayla, night one of WrestleMania was an incredible experience, but all of the focus now is on what happened after the undisputed champion defeated Brock Lesnar. That's right, Byron. Roman Reigns made a shocking ah là, c'est moche, par contre, hein. By laying out the champion. Alors on est retourné sur PS3 right là. His successful main event defense. The Dark Horse slayed the beast, but immediately fell to the head of the table. Roman Reigns then issued a challenge for tonight. And the undisputed champ accepted. For the first time in WrestleMania history, one superstar will be main eventing both nights. In addition to Charlotte Flair's huge Women's World Championship defense against Gigi Dolin, the WWE Universal title will be on the line. The undisputed champ will defend against Roman Reigns, who stated that his only interest is taking back his Universal title. At midnight tonight, whichever man wins will walk out the longest reigning WWE Universal champion in history. Get ready for history to be made on night 2 of WrestleMania. Si tu veux me partager ton perso, Skyfreeze, t'as juste à le mettre online et tu mets avec le tag Zorakvos. Tout simplement. Et moi je le téléchargerai. PS2 j'aurais dit. Toujours plus. PlayStation 1. J'ai offert le titre WWE Universal à Zorakvos et maintenant je viens le reprendre. Pas besoin de la Bloodline, pas besoin de Beast. Je vais repartir avec le titre et le peu de dignité qu'il reste à cet imposteur. WrestleMania. C'est chez moi. Bah écoute, on va bien rigoler. Ah, régal. Mon brother. You made it. I told you. I wouldn't miss this for the world. How are you feeling? You ready? You know, I've been getting the hell beat out of me for days. My ribs ache so bad it hurts to breathe. And knowing Miz, I'm sure I'll have something up his sleeve. Oh, toujours casse-cou, lui. Typical Sunday night, then. Pretty much. I'd give you the full Churchill, but I don't think you need inspirational speeches anymore. Ah non, ils ont fait la rêve de Gaulle.
Twice over. Incroyable! You've more than fulfilled your potential. So I'll save the pretty words for the next kid coming. Ah, c'est trop bien! Thanks, Regal. For everything. Ah, c'est génial, je sais pas si vous avez compris. En gros, il a dit... je vais faire le discours comme Churchill. Parce que Churchill, c'était le représentant anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que nous, vu qu'on a le champ en français, ils ont pas mis Churchill, ils ont mis De Gaulle. Parce que nous, c'était De Gaulle pour la France. Et j'imagine que si ça avait mis américain, ça aurait été... Oh putain, je sais même plus qui gérait les États-Unis à cette époque-là. Bon, je sais plus, mais voilà, ils ont bon, évidemment, ils ont pas changé le vocal, parce que le vocal reste toujours l'anglais et le ricain, mais ils ont adapté la traduction en ligne pour les pays. C'est trop bien. Ah, c'est cool, la petite référence à De Gaulle là. You look like a man who walked out of a bar fight and into a prison riot. Ah, je suis dans la merde. I feel like hell. I think I'm the only person in this stadium who believes I'm going to win. Why the hell would you say that? Ah, finis-le avec moi, c'est mon Brooks. Come on, man. You hear the locker room. They've been saying I'm a fluke since day one. Dit comme ça, c'était pas George Bush. Ah, peut-être un truc, ouais. Peut-être George Bush. Peut-être. Oh, poor me. No one believes in the dark horse. Get a hold of yourself. I'm just being real. Seriously, in 3+ years as champion, I would have thought you'd learn to silence the voices in your head. I silence in my head. Je suis comme Andy Orton. Moi, j'entends des voix dans ma tête, mais elles s'arrêtent pas. I mean, I guess I just... You're so used to others doubting you that you won't let them believe in you. Logan Paul, Rhodes, Lesnar, they were all doubters, and look at what you did to them. You were NXT champion. Roman never did that. Ouais. Maybe you have a point. Bon, après, c'est pas non plus. Techniquement, s'il a envie, il va à NXT, il prend le titre. Hein. Pensez quoi de ton côté de la CSF? Je l'ai pas regardé. Je sais qu'elle existe, mais je l'ai pas regardé. De ce que j'ai entendu, ça. Si tu t'es intéressé un peu au cas et à son histoire, t'apprends pas énormément de choses non plus, quoi. Donc. Je sais pas vraiment si c'est intéressant que je me perde là-dedans pendant des heures. You're damn right, I do. You might not feel like it, but you're not the dark horse anymore. You're the favorite. So go out there and prove that Roosevelt, oui, Theodore Roosevelt. Enfin, demandé en avril 45. Bah oui, Theodore Roosevelt, le fameux. L'homme qui a amené la prohibition de l'alcool. Attends, c'était Theodore Roosevelt qui a fait. Je crois que c'était pas Theodore Roosevelt qui avait amené la prohibition de l'alcool. Ah non, Franklin. Bah oui, putain. Attends, Theodore, c'est avant ou c'est. Non, parce qu'attends, Theodore Roosevelt. Attends, c'est quand déjà? Ouah, mais j'ai toujours du mal avec leur blaze. Theodore Roosevelt, c'était quand? C'était avant ou après? J'y suis à l'époque, mais franchement, tu sais pas. Je sais pas tout. Moi, j'ai vu. Même moi, j'ai. Attends, quoi? J'y suis à l'époque, mais franchement, tu sais pas tout. Moi, j'ai vu. Même moi, j'étais surpris. J'ai pas compris, j'étais. Ah, la série. Ok, pardon, excuse-moi, je viens de comprendre. Mais du coup, ouais, entre Théodore et Franklin, ouais, donc j'imagine Franklin, ouais, du coup. My bad. Mais à coup de pas, je n'avais pas cette information, je dormirai moins court demain. Là, ce soir, plutôt. Le moment est venu, Cedric Vos défend son titre WWE Universal Heavyweight Champion contre Roman Reigns, maintenant, à WrestleMania. Let's go. Theodore, c'est fin 1890. Ah ouais, début 1900. Ok, ok. Ouais, ok. Logique. J'avais quand même une intuition que c'était plus tôt quand même. Ah, même Cody vient me saluer. Connard. Mais il est où, Finn? Mon Finou là? Ah, bah il est peut-être encore investi. Salut, Miz. T'as vu ça? C'est moi le champion, connard. Franca, c'est 32e et Théodore, c'est le 26. Ok. Ok, merci pour l'info. Je savais que c'était un Roosevelt quand on m'a dit Roosevelt. En fait, à la base, je voulais dire Roosevelt, mais j'étais pas sûr. Et après, dans. Ouais, il y a toujours un problème avec le Roosevelt. C'est toujours un foutoir. C'est le mode histoire, Noah. One fall! Après, c'est comme Bush père et fils.
Je trouve toujours. Ah ouais, ouais. Ah, c'est Roman qui sort après. Donc Roman est plus important que les titres. On a compris. Bon, après c'est Roman. C'est pas la bonne tenue, c'est pas la bonne musique. Je rappelle, je me suis mis à jour depuis maintenant pratiquement 4 mois avec une toute nouvelle musique personnalisée, une nouvelle tenue bien poussée. Même si à l'époque, en vrai, franchement, je trouve quand même que pour un premier personnage que j'avais fait en une semaine même pas, je trouve quand même qu'il avait la classe. Non. Non, en vrai ça va, je préfère ma nouvelle tenue, faut être réaliste. Mais je trouve quand même que l'ancienne tenue était pas si dégueu que ça, elle avait un truc. En plus Dark Horse, j'ai un chapeau, ça fait un peu cavalier cheval, voilà, cowboy. Il y a du RP. C'est le mode histoire, Richard. Non, c'est pas le showcase, c'est le mode ascension, Noah. Le mode histoire. Non, ouais ça va, je trouve qu'il est vachement potable. Alors j'ai juste désactivé ma cam pour la miniature. Ce sera plus simple. Oh, attendez. Ah, s'ils se mettent Paris 2 pour le follow Twitch, j'espère te voir sur tous les forums live de la chaîne. Ça fait son plaisir, merci à toi. Allez hop. Merci Spinko05 pour le follow Twitch. En espérant te voir sur tous les forums live de la chaîne. Ça fait son plaisir, merci à toi. Toi, c'est quel super sport que tu préfères? Mon sport préféré, c'est le catch. Et le foot en deuxième. Et si tu parles de ma superstar préférée, c'est le Miz. Avec la musique de WrestleMania 40. For the first time in years, the once and perhaps future champion is here to take back what he says is his. Roman Reigns. C'est vrai que The Rock va vouloir affronter Cody à Mania. Il va vouloir, mais il le fera pas. Pour moi, tu auras The Rock, Roman, justement, pour sortir le vrai aid de table. Peut-être avec un solo qui se balade, à moins qu'il soit règle avant. Miz fait un très bon heal. Miz fait un des meilleurs heals qui existent. Allez, c'est parti. J'imagine dernier match pour ceux qui peuvent me dire, mais dernier match du mode histoire. Enfin, pour clore cette page sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch, je veux encore désolé pour ceux qui ont attendu pendant des mois et des mois la fin de mode histoire. Vous en faites pas, si on en refait d'autres, ça sera beaucoup plus rapide. Mais enfin. C'est parti. Je pense que ça sera le seul qui a gagné lui, parce que j'ai quelques trucs à faire. J'ai quelques trucs à faire la soirée. Catcheur préféré, il y a Randy, Seth, Damien Priest, Rey Mysterio. Oh, c'est intéressant de voir Damien Priest. Très peu de gens le mettre dans ses catcheurs préférés. Moi j'adore Damien Priest depuis qu'il est arrivé à WWE. C'est vrai que CM Punk va prendre sa retraite. Non, pourquoi?
Roman Reigns helped create this title run. Tonight, will he be able to destroy it? Ah oui d'accord, j'ai pas beaucoup de PV. Ah j'ai des PV baissés parce que j'ai affronté Roman la veille. Rock, pardon. Wow, incroyable. Oh c'est stylé ça. Que par contre si j'ai des PV baissés contre Roman Reigns voilà, ça va être un peu compliqué quoi. Tiens, tu restes au sol, je t'ai dit Roman. Bang. Je me suis écrasé le cul, je lui ai fait mal en même temps. Let's go. Il y a plein de personnes qui ont dit qu'il va prendre sa retraite. Non. N'importe quoi. Aucunement il va reprendre sa retraite. Pourquoi il aurait gagné contre sa rivalité contre pourquoi il aurait gagné sa rivalité contre Drew McIntyre alors s'il va prendre sa retraite? C'est complètement con. Catcheuse préférée, question féminine, disons féminine. Liv Morgan ou Rhea Ripley. Just disrespectful. That's going to be a moment you want to forget it very soon. Knee straight to the gut, stays off the attack. Boom, what an uppercut, John. Comment il y a moyen de se récupérer plus vite? En utilisant ton énergie, ta stamina, mais sinon non. Oh, j'ai fait une spear en relais! C'est incroyable! Ah non, merde! La guillotine! Oh bah non, le Montreal Screwjob là! Tiens, le Miz dans ta gueule! Bruh! And get help for the Miz. Reigns on the move, guys. Oui, elle est incroyable, j'ai envie de faire aussi. Reigns just broke one of our producers in half. I never liked that guy. Miz's last ditch attempt to screw the dark horse out of the WWE Universal Championship has ended in carnage. Ouais, c'est Carl Solo. It looks like this war will allez, ramène-toi, Roman. Ramène ton fiacos. Spinebuster! Allez, switch your music! 1, 2, 3! Oh non! Oh le bête serre! Tomber sur ton charme, sur son charme, Charlotte Flair est très belle, je suis d'accord. Elle a vraiment un gros charme. Et aucune blague par rapport à autre chose qui serait gros, hein. C'est vraiment son charme dont je parle. Hein. Alors je suis désolé là, par contre il m'a à peine touché là le Roman là, il m'a frôlé la coupe de cheveux à la limite, mais oh merde. Bah alors on rate son finisher, on rate la spear. Ah bah non, mais là par contre j'ai mis mon Pellegrini par contre le jeu s'il te plaît. Par contre Roman, si tu commences à contrer tous mes finishers, on va pas être copains. Hein. Delivering elbow after elbow. Picking up. Hey, come back. Trying to change the tides of the match. Hey, yep. Whoop. No try, and the superstar has changed the tides of the match. He's getting a huge boost right now. Oui, Alexandre dans le ring, je suis totalement d'accord. Et Spinebuster numéro 2. Et Pedigree of the Roman Reigns. I think the champ's got it. Cover. No, no, not now. The champion shock is palpable. Il a plus sa révolte. Par contre, moi, j'ai plus rien derrière. Roman ou Solo? En soi Roman, mais j'aime beaucoup le travail que fait Solo depuis pas mal de temps. Tu feras la féminine, je pense pas en vrai. Peut-être en vrai, je sais pas. Faudra que je vois. Ta meilleure replay, elle est aussi excellente dans le micro que dans le ring. Ah oui, oui. Oh, elle est incroyable cette prise. Oh, elle est folle celle-là. Oh, leg drop.
Il commence à me casser les couilles avec son running neckbreaker. Bon, faut que je fasse gaffe parce que par contre il a... Eh merde. Ah, il a le spear. Non. Eh, ton spear, tu te le fous là où je pense. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, oh, ten. Dadom, je suis vraiment pas fan. Me demande s'il est hypa inutile. Il est incroyable. C'est genre un des meilleurs heals actuellement à la WWE. C'est juste un génie. Je l'adore. Dominique, faut qu'il ait un titre. J'adore Dominique. Il est trop bien. Allez, sauf. Oh non. À contrer mon spé. Contrer, chef. Et. German Clothesline. Oh. Ping. Et comme sur 2K23, on va terminer ça avec un. Sweatshirt Munich. Salut Albert. Combien ça tourne derrière toi sans discrétion? 550 euros pièce. Roman Reigns about to head to the back, but now he's stopped. Is the head of the table about to finally acknowledge the undisputed champion? Oh là là, le regard! Attendez. Ah merde, ah j'ai pas pu. Oh, le moment où je suis comme ça. Oh, j'adore. La pose est folle. Liv ou Rhea, je ne saurais me... Je ne peux pas. Je peux pas choisir. Ils ont fait péter les trucs avant que je me lève, ils sont cons. Salut Ems. Comment on vient le jeu en français? Bah j'imagine tu vas dans les paramètres et tu dois avoir un langue français. Moi il était déjà de base en français. Ok, ta ceinture préférée? Ever? Moi je dirais c'est la intercontinentale blanche qui est juste un problème. Ah bah je sais pas te dire alors. Vous avez terminé l'histoire indisputée de l'ascense, indisputée de mon ascension. Vous pouvez rejouer, disputer, vous voyez, faire des choix différents, blablabla, bla, bla, si vous pouvez jouer. L'histoire Unleashed, si ce n'est pas déjà fait avec les féminins, j'imagine, du coup. Je pourrais jouer à ma waifu, du coup. Hein. Ah, ça peut se faire, en vrai. Et bon, on va cesser là, du coup. Merci pour cette fin d'aventure sur WWE 2K24, mon ascension indisputée. Elle était vraiment sympa. Est-ce que j'ai préféré par rapport à la 23, je ne saurais pas vous dire. The Lock était vraiment cool avec le parcours un peu initiatique aussi. C'était vraiment sympa. On se retrouve, non pas demain parce que c'est ma journée de pause, mais mardi pour ce nouveau aventure sur nos différents jeux évidemment. Le playing comme d'habitude sur Discord. Si vous souhaitez voir toutes les rediffs de mes lives YouTube, c'est YouTube. Si vous voulez avoir les plannings ou être informé direct dès que je suis en live ou alors discuter avec moi en vocal ou en écrit, n'hésitez pas à aller sur le Discord comme d'habitude. On se dit à la prochaine. C'est Desorek Boss. Merci d'avoir été là. A plus tout le monde. Ciao, ciao, bonsoir.